Bonsoir. Ah, ça marche, c'est bon. Bonsoir. 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 Oh, oh. Oh. Quelle est donc cette voix? Incroyable. C'est un gars que je connais bien. Ah ouais, tu le connais? Tu le connais. Il est sympa. Ça dépend. Il a pris la grosse tête depuis. Ah, mais, bien. Mais relativement sympa. Comment vont les gens? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne la maisonnée, on peut peut-être demander à Armof. C'est bien, Armof, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Je me suis réveillé, ça c'est chouette. Ah! J'ai eu du mal à me réveiller aujourd'hui, quand même. Voilà. On peut demander à Zaftik. Bonsoir, Zaftik, ça va? Bonsoir, ça va. Je viens d'apprendre qu'Armof allait bien, donc ça va pour moi. Ah! Et bonsoir, Félix, ça va? Bah, moi j'ai appris qu'Armof va bien, du coup ça va bien. Ah! Décidément. Il a fait le doute! Du coup, eh ben, bonsoir à tous! comme vous l'avez remarqué, du coup, on n'a pas trop communiqué sur le fait que Félix était avec nous ce soir. On s'est dit qu'on allait privilégier que les copains et la communauté. Parce qu'on s'est dit, 13 personnes c'est bien, 13 000 c'est beaucoup moins bien. Donc, ouais, c'est ça. Si, le problème c'est que si je partage ça sur Twitter, ça va pas être gérable, je pense. Oui. Pas. Ouais, non, ouais. Mais on a pas assez de modération. Là, il y a Trio Ruda, Tio, mais je crois qu'il y a Mileven aussi dans le chat. 3 modérateurs, c'est bien pour une vingtaine de personnes, tu vois. On peut pas faire ouais. Beaucoup plus que ça. Mais, bonsoir les modérateurs. Bonsoir les modos, bonsoir tout le monde, bonsoir Arline, bonsoir Tio, bonsoir Ambrift, bonsoir Mika, bonsoir tous les gens que j'oublie. Et effectivement, ça a son avantage d'être confidentiel, mais de toute façon, on va rester dans la configuration qu'on a depuis maintenant un certain nombre d'années avec Félix, puisque on se connaît depuis assez longtemps maintenant et on a toujours été confidentiel. Bah ouais, voilà. ça me va bien. Salut Cam. On a même vérifié, figurez-vous, et ça fait environ plus de 7 ans qu'on se connaît. Ouais. Ça fait un petit moment, effectivement, qu'on se connaît. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je suppose que maintenant, les gens qui regardent le dernier épisode de Creepy As Shit arrêtent de dire « C'est hyper dommage, c'est qui cette personne qui intervient au milieu de l'épisode ?» Maintenant, ils disent plutôt « C'est hyper bizarre, il y a Félix, c'est quoi le truc qu'il y a autour ?» Oh non. Bah si. Oh non, putain, non. Est-ce qu'éventuellement il faut monter un petit peu le son de la voix de Félix ou est-ce que tout le monde l'entend bien? Parce que moi j'ai l'impression qu'il est un peu faible sur mon retour son, mais dites-moi chez vous. Ok. Ouais, ça passe ça bien. Ça passe bien, ok, parfait. Ouais. Parfait. Et eh bien écoutez, je vais lancer la musique du coup. Clac, plouf, tout ça, tout ça. En espérant que ce sera pas trop fort, n'hésitez pas toujours à me dire dans le chat hein, si jamais le son est pas bon. Félix n'est jamais faible. Mais oui, effectivement, Thio, Félix n'est jamais faible. ce soir, émission pas plus courte, mais on va présenter un peu moins de choses. Moi, personnellement, j'ai présenté que 4 jeux. Zastik va présenter 3 films, mais effectivement, on va un peu laisser de l'espace à notre invité qui ne vient pas les mains dans les poches, puisqu'il va nous parler aussi de quelque chose. Donc, ce sera son espace perso à lui. Son heure de gloire. Hein. Son heure, bah ouais, c'est bah ouais. Ouais, je pense qu'au si bout d'un moment, il faut découvrir ce petit jeu. Il faut te mettre en avant. Ouais. Félix, n'hésite pas à balancer le lien vers ta chaîne YouTube dans le chat. Hein. Peut-être que certains pourront découvrir ton travail. Écoutez, je suis pas là pour faire ma pub, mais évidemment, si vous pouvez vous abonner, sachez que je le rends. Je m'abonne en retour. Putain, follow back, quoi. Incroyable. Et bah, du coup, si vous voulez bien, sans plus tarder, on va peut-être se lancer le premier trailer. Absolument. Juste, Félix, je t'avais envoyé le lien vers la playlist en privé, tu l'as bien reçu? Sur Twitter, tu me l'as envoyé? Non, sur le Discord. Je l'ai pas reçu. Et bah, tu scrolles vers le haut avant tes bêtises de tout à l'heure. Et normalement, tu devrais. Ah oui, oui. Eh bien, écoutez, on va se lancer, on se retrouve après le trailer, vous connaissez la chanson. Du coup, de ton côté, je te laisse mettre le premier trailer, et puis on en parle juste après. Allez, let's bong. Ah oui, et du coup, Félix, je te demanderai, s'il te plaît, de ne pas commenter, parce que comme je suis en audio du bureau, et que le trailer est en audio du bureau, si tu commentes, on va entendre que toi. Et je pense qu'il fallait pas lui dire ça, en fait. J'ai tellement de potentiel pour ruiner. C'est clair. Quel pouvoir. Allez, c'est parti. Non, je vais rester sage, au moins pendant les 2-3 premiers trucs. Ouais, très bien. Allez, à tout de suite, tout le monde. Thank you.
Tu commences donc avec de la PS1, Armof. Alors, c'est pas anodin le fait que je commence aussi avec un jeu analogue horror, voilà, puisque je sais que c'est une esthétique qui parle beaucoup à notre invité. Après, effectivement, je lui donnerai la parole après que je vous ai donné quelques infos sur le jeu. Mais effectivement, voilà, on est sur cette esthétique époque PSX, du coup fin des années 90, où il y avait des gros polygones un peu moches. Mais bah maintenant, vous avez l'habitude, hein, j'en présente assez souvent du rétro clone, j'ai envie d'appeler ça, tiens, comme Donjon Dragon, tu vois, le rétro clone, quoi. Liminal Horror jeu vidéo. C'est un jeu qui s'appelle The Tartarus Key, comme vous avez pu le voir à la fin de ce trailer. C'est développé par Vertical Reach. C'est une toute petite équipe, ils ont fait que deux jeux. Ils ont fait un jeu de Tangram, et ils ont fait une sorte de match 3, et maintenant ils font ça. Donc gros step-up, en tout cas ambitieux, quoi. C'est édité par Armor Game Classic, donc vous connaissez quelques jeux, je pense, de Armor Game Classic. Vous les avez certainement pas fait, mais vous êtes passé devant. Ils font des jeux à l'esthétique en général ultra mimi, notamment la série Lumberjack, mais Bear comme un ours, Bear and Breakfast. Voilà, et puis ils ont fait dernièrement un jeu qui s'appelle The Spirit and the Mouse, où on joue une souris, et comme c'est moi, je vous le dis, quoi. Voilà, ça sort le 31 mai 2023, donc tout bientôt, hein, c'est demain, si je dis pas de bêtises. Demain ou après-demain. C'est après-demain. Après-demain, ouais. Ça sort sur toute la gamme PlayStation, sur toute la gamme Xbox, sur PC via Steam, et ça sort sur la Switch également. Voilà, le pitch du jeu, assez simple. Je vous lis. La dernière chose dont Alex Young se souvienne, c'est d'être seul dans son appartement. Alors comment s'est-elle soudainement réveillée dans cet étrange manoir ? Toutes les portes sont verrouillées par des énigmes et des pièges étranges. Des caméras surveillent ses moindres faits et gestes, et elle croit voir des choses du coin de l'œil. Si elle veut sortir vivante de cette aventure haletante, avec les autres prisonniers rencontrés ici, elle devra faire preuve d'ingéniosité. Du coup, effectivement, donc, c'est un jeu qui s'inspire des classiques de l'horreur. La promesse, c'est de faire, évidemment, un jeu rempli de mystères et de rebondissements. Et quelques surprises mortelles. J'ai l'impression que le jeu insiste pas mal sur son côté létal. Donc, sur la page film, il y a vraiment ce truc de « tout le monde n'en sortira pas vivant ». Jeu essentiellement basé sur des énigmes et des puzzles, comme vous pouvez le voir. Bah voilà, hein, il faut sortir du manoir, sortir de ce manoir qui est piégé. Ça me fait pas mal penser à D, très vieux jeu, mais pour ceux qui l'ont fait, c'était vraiment le même pitch. Il y a trois fins différentes, apparemment, en fonction des secrets qu'on aura révélés au fur et à mesure de notre ou nos runs. Voilà, c'est... bon, après... toujours les grandes phrases, hein, une aventure à l'ambiance oppressante qui repose sur les énigmes et l'intrigue plutôt que sur les combats ou les poursuites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une équipe donc, de 3 personnes qui fait ce jeu, uniquement 3 personnes, dont la fondatrice de Vertical Reach, qui s'appelle Léonore Parra, qui aime beaucoup en fait, les jeux atmosphériques. Et du coup, elle déteste les jumpscares, elle déteste l'horreur facile, donc elle a voulu vraiment produire ce jeu, puisqu'elle en avait ras-le-bol en fait, qu'on lui fasse popper des trucs à la gueule à l'écran. Et elle s'est dit, voilà, la vraie horreur, en fait, c'est l'horreur qui te tient au ventre, c'est l'angoisse, quoi. Donc on va travailler sur l'esthétique, et on va travailler sur le long terme, l'horreur qui est omniprésente. La deuxième personne en charge du jeu, c'est Kevin Colgate, il ne travaille pas dans les dentifrices. C'est un amoureux de jeux rétro, et donc du coup... j'ai vraiment fait cette blague. il est amoureux donc, des jeux rétro, et il espère surprendre le public avec ce mélange d'authenticité, comme il dit lui-même, et d'énigmes, puisque bah, lui aussi, je pense, fait partie de la team Final Fantasy, c'est non. Et enfin, ils ont appelé Josie Breschner, qui donc est la designer sonore et la composition musicale, du coup. Voilà, c'est une personne qui a bossé dans le monde du cinéma, des jeux vidéo, de la chorégraphie, des œuvres théâtrales interactives. Elle est en place depuis 2012. Musicienne indépendante, du coup elle a donné des concerts partout aux États-Unis. Vraisemblablement c'est une personne connue, comme moi perso je n'avais jamais entendu ce nom, Josie Breschner donc. Elle travaille pas mal à base de sampling électro et qu'elle mélange avec de l'analogique. Bon, en fait elle fait de l'électro quoi, à mon sens. Et elle est récemment diplômée d'un master en musicologie à l'université de New York. Voilà, si vous êtes tenté, il y a une démo dispo sur Steam d'ores et déjà. Et je rappelle que ça sort donc dans 2 jours. Zaftik, je te laisse la parole sur ce que ça pourrait potentiellement t'évoquer. Je sais pas trop ce que je peux raconter sur ce jeu.
L'équipe technique, enfin en tout cas j'aime beaucoup le principe de pas tout miser sur ou de pas du tout miser sur le jumpscare. Ouais, moi aussi ça me plaît beaucoup. Ça clairement c'est intéressant, c'est à mon sens plutôt bon signe parce que c'est plutôt des jeux vers lesquels je ne vais pas me tourner. Effectivement ça a l'air d'être un gros boulot, ouais. Parce que même si on est sur une esthétique PS1, j'ai quand même l'impression que techniquement ils essaient de pousser un petit peu le format. Ça va un peu au-delà de ce qu'un jeu PS1 pouvait proposer. Mais c'est ça, c'est beau pour la PS1, quoi. C'est fluidifié. Ouais, mais ça garde les trucs sympas, genre le warping des textures, ouais. Les trucs comme ça. C'est ça, on garde tout ce qui relève de l'atmosphérique, mais on va quand même aussi pousser un peu la technique. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs esthétiques qui s'entrechoquent dans le trailer et... Ouais, étonnamment, j'ai pensé à Twin Peaks, je sais pas pourquoi, ce côté rouge, cette ambiance électro qui arrive d'un coup... Ah, on parle de Virginia, oui, Virginia, effectivement. Non, ouais. Et Twin Peaks, par contre, ça passe. Bah... Non, ouais, je comprends maintenant pourquoi Virginia, du coup, par rapport à l'éclairage et tout ça, effectivement. Moi, ça me fait penser à... Mince. J'ai honte. Darkness, machin, sur Nintendo 64. Oui. Eternal Darkness. Eternal Darkness, voilà. J'ai une vibe un peu Eternal Darkness. Qui... Attends, c'était 64 Eternal Darkness ? Non, c'était GameCube. C'était GameCube, excusez-moi. C'était GameCube, effectivement. À voir. Après, ça va vraiment relever de la qualité des puzzles, de vraiment la qualité globale du gameplay. J'ai un peu de mal à me représenter. Je pense que ça promet pas un jeu long, déjà. Ouais, c'est... Mais en même temps, les jeux PlayStation, les survival horror PlayStation à l'époque, c'était 8 heures, quoi. Donc bon, 6-8 heures. Ça va peut-être promettre une durée de vie équivalente. Tu parlais 2D... Moi, j'aime bien l'esthétique PSX. Ouais. J'aime beaucoup, je trouve que ça fonctionne très bien dans l'horreur. Mais je trouve que ça marche mieux, moi, quand on mélange ça avec des modes des types de jeux plus moderne à la Pity un peu, c'est l'horreur un peu plus un peu plus millénial, etc. Ouais, bah, la semaine dernière on a présenté c'est quoi, c'est Nobody Lives Under the Lighthouse. Ah oui. Ouais. Qui a une esthétique comme ça PS1, mais par contre qui a vraiment un délire horrifique très contemporain, très très moderne. C'est vraiment des, même la musique c'est que du drone, c'est vraiment des grandes plages de vide. Peut-être ouais, ça te parlerait. Un peu liminal et tout. Moi je suis un bouffeur de liminal. Je bouffe ça tous les matins, quand tu veux. c'est pour moi une des horreurs les plus efficaces. En fait, comme dit, l'horreur. Moi, je suis pas d'accord forcément sur le fait que l'horreur jumpscare peut tout le temps être. Enfin, évidemment, c'est pas ce que vous avez dit, mais parfois le jumpscare peut être efficace. Oui. Tu vois. Mais évidemment, moi, ce qui me passionne le plus, c'est cette horreur du vide, l'horreur des grands espaces, l'horreur des choses qui ne sont pas à leur place, etc. C'est tout ce qui rentre un peu dans le fantastique, etc. Moi, je trouve ça fascinant. Et c'est très amusant parce que par rapport à ça, on en discutait avec Zafig il y a encore quelques semaines. Il y a quelque chose de très générationnel là-dedans. Parce que par exemple, moi, et toi aussi d'ailleurs, hein, Quand on a grandi avant Internet, j'ai envie de dire, on fréquentait en fait des espaces liminaux. Je pense notamment à un siège d'une banque à Bordeaux. Alors pour les Bordelais, ça leur parlera, pour les autres non. L'ancien siège de la Caisse d'Épargne à Bordeaux, qui a été racheté aujourd'hui pour devenir un espèce de musée, je crois. C'est le musée de la marine. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un espace où il y avait des tapis. C'est un espace gigantesque. Très vide, avec des piliers en forme de gouttes qui étaient hyper chelou, on comprenait pas ce que ça foutait là. C'était des piliers qui tenaient la structure du bâtiment, mais c'était hyper bizarre. Il y avait des doubles escaliers, on a l'impression que c'était en forme de coquillage. Le sol c'était vraiment du tapis à la Shining, quoi, avec des grands losanges orange et rouge. Et c'est vraiment en fait des endroits que j'ai fréquenté, quoi. Et donc du coup, je peux comprendre cette fascination des, de ta génération, des jeunes gens, j'ai envie de dire, pour ces espaces. Nous, c'est des espaces dans lesquels on a grandi, en fait. Donc, c'est super bizarre, tu vois. On a moins cet affect, je trouve. Moi, ça me paraît tellement alien comme type d'espace. Et du coup,
C'est, en fait, c'est pas nécessairement forcément l'espace en lui-même. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse fascination pour les espaces un peu rétro. À Mériadec, Jules. Oui, ouais, je note. J'allais dire précisément que Mériadec à Bordeaux, c'est une espèce de greffon étrange. Si jamais tu venais. Ouais, si jamais tu passais. À Bordeaux, Félix. On pourrait t'amener. Figurez-vous. Je sais pas si là on peut parler de mon organisation d'emploi du temps, mais je fais une vidéo avec le Grand JD bientôt. Il faut que je passe par Bordeaux. Je pourrais peut-être. La porte est ouverte. Hein, oui, bienvenue. Et il faudrait qu'on t'amène dans un endroit que moi j'ai pour le coup qui est hors du temps, puisque moi j'ai. Ça s'est construit dans les années 70, donc du coup je trouvais déjà ça vieux quand j'étais adolescent. Mais c'est un espace que j'ai beaucoup filmé à l'époque où je faisais des courts-métrages parce que j'adorais cet espace qui est rétro-futuriste. En fait, c'est un espace d'architecture qu'ils ont construit en mode. Ce sera quoi l'architecture du futur, mais quand on était dans les années 70, tu vois. Et du coup, il faut vraiment que je te montre cet espace qui est surélevé. Ça s'appelle littéralement les terrasses de Mériadec. Donc c'est au-dessus de la ville de Bordeaux. Donc c'est comme un espace, comme un étage au-dessus de la ville en fait, où il y a que des bâtiments à l'architecture. Mais j'ai envie de dire le futur tel qu'imaginé dans les années 60, quoi. Tu vois, vraiment. Oh bien. C'est incroyable comme endroit. Mais ouais, si jamais tu passes sur Bordeaux, ça tombe plutôt bien parce qu'on a pas mal de tranches de vacances avec Armof et avec Rio Ruda. Ouais. Et avec Zaftig, hein, a priori sur le mois de juillet. Donc voilà, tu nous passes un petit message et puis écoutez, on fera peut-être un épisode des Jambes en coton en direct. Je sais pas si tu resteras une journée ou si tu. Je sais pas encore. Mais un truc est sûr, c'est que je compte passer sur Bordeaux. Bref. On est en train d'organiser nos vacances en live. Ouais, tout va bien. On peut faire ça, c'est non, mais pour le coup, voilà, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, le côté espace liminal, et encore plus les backrooms. Hein. Tu vois, littéralement, la première photo des backrooms que j'ai vue, donc la photo originelle, c'est vraiment, une fois encore, hein, je vais m'adresser au Bordelais, si vous avez connu la CPM qui était sur les boulevards à l'époque, c'est la même chose. Moi, je l'ai déjà vu en vrai, cet espace avec des chaises dedans, voilà quoi. De toute façon, si un jour vous voulez vous faire peur et être dans des bons gros espaces flippants, essayez Pôle emploi, la CPAM, mais oui, voilà. La cité administrative. Ouais. Voilà. Hein, Je sais pas comment c'est dans vos villes ailleurs, quoi, mais Bordeaux, en fait, Bordeaux a vraiment ce délire figé. L'administration est figée dans les années 80, quoi, vraiment. Après, il n'y a pas que l'aspect rétro, évidemment, qui fonctionne. Il y a des espaces liminaux qui peuvent ne pas être inspirés par une esthétique rétro. Ouais. Il y en a pas mal, ouais. En fait, une des choses les plus importantes, ça reste la solitude, qui est hyper importante. Oui, oui. Et l'absence de gens dans les photos, qui est aussi... Mais une fois encore, j'ai pas ton rapport à ça, parce que entre mes, on va dire, 17 et 30 ans, j'ai énormément fait d'urbex. Et pour moi, en fait, c'est des espaces où je me sens hyper bien, quoi, en fait. Ah, mais je suis d'accord. Mais après, il y a un truc aussi, évidemment, l'esthétique liminale, c'est tout un truc, moi, qui me fascine. C'est aussi, tu sais, le côté... La manière dont les photos sont prises aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien ce sûr, live, dans 20 ans, sera dans les archives de l'INA. Ouais, parce qu'on parle de... En fait, ce live sera ce qu'est aujourd'hui les vidéos du Tour de France d'un mec sur YouTube, qui du coup nous permet de voir l'ancien réseau de bus de Bordeaux. Ouais. Voilà. Et bah, dans 20 ans, il y a des gens qui diront « Ah ouais, Bordeaux, oh là là, Mériadec, les gens croient que c'était rétro-futuriste, s'ils savaient !» Mais pour le coup, voilà, toi, tu retrouves des espaces liminaux. Parce que moi, tu vois, ça, je vois pas d'espace liminal dans ce... Au début, l'espèce d'escalier de colimaçon, là... Dans le jeu, justement, moi je disais que le jeu il m'intéressait, mais que c'est on est d'accord, c'est un survival horror, c'est ça? Ouais, c'est un jeu d'énigmes horrifiques, on va dire plutôt. Ouais, moi c'est un format de jeu qui je trouve a de plus en plus de mal à m'intéresser. Oui. Le jeu a l'air intéressant pour le coup, j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup ce qu'on a vu, mais. Il manque un truc, tu vois, je trouve. Ouais. Je sais pas. Bon, je fais mon connard, mais. T'inquiète pas, on a encore 3 autres jeux à te présenter ce soir. Non. T'inquiète, des fois, on est énervé après les jeux et on le dit, hein, y a pas de problème. Voilà. Ouais, un jour, on avait invité
Albin et on lui a parlé de l'esthétique de je sais plus qui. Ouais, il s'est énervé. Mince, c'était l'esthétique. Eh ben c'était. C'était contre Giger en fait. Giger. Non, mais il y avait autre. Oui, Gustave Doré. Oui, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui étaient là, hein, on a quand même passé 2 heures à trash talk sur l'esthétique Gustave Doré / Giger. Ouais. C'était une expérience assez incroyable. Est-ce qu'on passe au trailer suivant ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je sais pas, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi, Félix? Tu veux dire autre chose par rapport au jeu? Bah non, c'est bon. Je voulais savoir quelle esthétique vous parliez pour que j'aille voir des images. Ah, on te montre. Hein. C'était un jeu... Okay. C'est un jeu qui est a posteriori raté de toute façon. Donc voilà. Sinon, okay, si ouais. jamais tu veux te taper après 40 heures de restream... Hein, Oh putain. Il y a à boire et à manger, effectivement. Allez, on passe Allez, trailer suivant. Let's go. Allez. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, where thousands of young to salvation have gone. Oh God, she knows I'm one. Don't let them get inside, compare. They're not the good guy. Dusetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. Maybe the Dark Man just likes it when you suffer. Have you ever talked to a doctor about your condition? This is madness! Are you crazy? Fall on your knees, wear the mask! Welcome to the Madhouse, Detective. Tout ça, hein. Okay. Merci Thiop de penser à moi contrairement à mon époux. Ouais. Ah. Bah en fait, je suis vraiment désolé. C'est con, hein. Quand c'est... tu vas peut-être pas le re-regarder, si. Écoute, je vais subir. Hein, quand c'est des poupées avec des yeux dans les clous, des trucs, des brûlures et tout machin, et en fait, quand je vois des poupées pendues, pour moi, c'est tellement le niveau zéro de l'horreur que c'est comme s'il y avait un mec qui avait écrasé un escargot, en fait. Donc, tu vois, ça me... Voilà. Non, mais je vais me concentrer, je vais te regarder. Non, parce qu'il faut savoir que Tachi est pédiophobe, du coup, et que j'ai complètement zappé de la mettre en garde. Alors... Eh bien, je pense que ça ne fait de secret pour personne. Alone in the Dark, tout seul dans le noir, reboot. C'est développé par Pieces Interactive. Et c'est peut-être une toute petite équipe, mais en tout cas, on sait déjà que Thiob les adore. Vu qu'ils n'ont fait jusqu'à présent qu'un jeu et 2 DLC. Ils ont fait Magicka. Et ils ont fait les 2 DLC de Titan Quest, Ragnarok donc, et Atlantis, sortis respectivement en 2017 et 2019. C'est édité par THQ Nordic. Je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous citer des jeux produits par THQ Nordic parce qu'ils sont relativement partout. Ça sort le 25 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est-à-dire que c'est enfin un jeu. Enfin, quand je dis enfin, c'est peut-être un peu injuste. Mais ça y est, on commence à avoir des jeux qui se disent... en fait, il y a... Pourquoi on fait des jeux pour PS4, là? Donc là, c'est enfin un jeu qui ne sort que sur les PS5 et Series. Il y en a d'autres, hein, qui vont justifier un peu leur rachat quelque part en fait. Ouais, mais il y a d'autres jeux qui sont sortis en exclus sur les consoles nouvelle génération. Hein. Je veux dire, la console est quand même sortie en 2020. Ouais, je sais. Je sais, mais il y a quand même énormément de jeux qui sortent encore sur les. Après, jusqu'à très récemment, il y avait encore des jeux qui sortaient sur la Wii. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais écoute, la dernière chronique, on a eu l'exemple d'un jeu qui sortait sur Game Boy, d'accord? C'est vrai. Let's go, incroyable. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Alone in the Dark reboot? Eh ben, c'est très simple. On n'avait pas revu la franchise depuis Alone in the Dark Illumination, ou Illumination, en 2015, mettant en scène Theodore Canby. Je lis mes notes et je vois que dans mes notes, il y a marqué Zaftig, point d'interrogation. Oui. Bah, parce que Alone in the Dark Illumination, quoi. Il n'y a rien à dire sur ce jeu. Je crois que t'es le seul dans tous les gens en train d'écouter cette émission qui a tenté de le faire, en fait. Ouais. Ouais, c'était pas bien. C'était pas bien et c'était vraiment du branding. Enfin, la licence Alone in the Dark n'a strictement rien à voir avec ce jeu. Donc, à oublier,
même si le précédent était aussi un échec, tout en vraiment s'inscrivant dans la suite de logique d'Alone in the Dark. Donc là, enfin, la licence, elle est... Les dernières nouvelles qu'on a eues d'elle ces 10-15 dernières années sont vraiment pas bonnes du tout. Alors je vais reprendre si tu veux bien. Donc je te laisse poursuivre. Ouais, du coup c'est un reboot complet et ça promet de respecter le matériau d'origine. Du coup c'est vraiment on repart à zéro. On reprend le jeu PC, enfin micro-ordinateur plutôt, de Frédéric Reynal. Du coup en fait là toutes les infos que je vais vous donner ont été diffusées lors d'un Alone in the Dark Spotlight. Qui était vraiment une transmission de 21 minutes autour des news du jeu. Et le trailer que vous voyez là a 9 mois, parce que littéralement, il n'y a pas eu vraiment de nouveau trailer. En fait, j'avais une vidéo de 21 minutes, du coup, entrecoupée de développeurs qui parlent de leur jeu, donc j'ai préféré mettre un petit truc court qui tourne en boucle. Désolé encore pour les paléophobes. On a un scénariste et réalisateur général du jeu qui s'appelle Michael Hedberg, qui vient de rejoindre l'équipe de Pixies Interactive, qui a auparavant travaillé sur Amnesia, The Dark Descent et Soma, donc c'est un monsieur qui a pas mal touché sa bille dans l'horreur, tant et si bien qu'il a quand même inventé un standard. C'est développé sous Unreal 4, donc du coup c'est assez bizarre que ça sorte pas également sur les anciennes machines, puisque sous Unreal 5 c'était justifié, là pas forcément. Après, on évolue toujours dans le Derceto Manor, hein, pour ceux qui ont fait la série... La ligne de Dark, donc il est un peu revu le manoir, effectivement. On peut interpréter deux personnages, mais je crois que c'était déjà le cas. Ouais. Donc Edward Canby, détective, et Emily Hartwood, qui, elle, cherche son oncle qui a disparu et qui est donc aidé par Canby sur l'enquête. Surtout, la grosse news qu'on a eue durant cette diffusion, c'est le talent actor, du coup, puisque en fait, ils sont allés chercher deux comédiens pour jouer les personnages principaux. Du coup, là, on ne le voit pas, puisque à l'époque, ça n'avait pas été décidé, donc on ne voit Edward Canby que de dos. Mais sachez que de face, il ressemble à David Harbour. Il ressemble énormément à David Harbour, puisque je pense qu'ils ont fait de la performance capture. David Harbour, c'est le monsieur dans Stranger Things qui joue le shérif dans Stranger Things. Si tu veux, oui. Et il a joué également dans Violent Night, il a joué dans pas mal de trucs depuis, effectivement. Mais son rôle phare, c'est Stranger Things, pardon. Et effectivement, l'actrice, c'est Jodie Corner. Et là, peut-être que tu connais Trazafik, parce que moi, je ne connais pas, qui a joué dans The Last Duel et Prima Facie. Ça te dit un truc ? Ben, moi non plus. Du coup, d'autres infos ont été données. Certaines pièces et events sont liées au personnage. Donc en fait, il faudra faire le jeu deux fois. Et de toute façon, il faudra faire le jeu deux fois pour comprendre toute l'histoire. Donc on commencera avec un personnage... Ah ben tiens, ben voilà, nickel. Là, on les voit bien. Et on voit bien David Harbour, on le reconnaît hyper bien. Attends, j'ai juste mon stream qui est cassé. Ah merde! Du coup, pour comprendre toute l'histoire, il faudra, un peu comme Resident Evil 1, faire l'histoire avec Chris et l'histoire avec Jill. Bah là, voilà, c'est un peu l'idée. Sachez que Frédéric Reynal a été appelé à la prod pour valider et survalider toutes les idées, un petit peu comme elle avait fait Rob Zombie à l'époque où il a produit son Halloween et que Carpenter avait dit c'est trop bien et aujourd'hui tout le monde trouve que c'est de la merde. Donc sachez que Frédéric Reynal a dit que c'était hyper bien et que peut-être que ce sera de la merde du coup. Non mais écoute, hein. Frédéric Reynal il a dit ouais c'est hyper dur de faire des remakes mais là je pense que vraiment ils sont super chauds quoi. Bon voilà. Le jeu propose du gunfight, du cac, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans des jeux d'action d'horreur. Et une autre info qui pourrait peut-être intéresser Félix et ou Zaftig pour l'OST et pour le design sonore, ils sont allés chercher une légende du Doom Jazz qui s'appelle Jason Conen. Je sais pas si tu connais, c'est un Suédois. Ça ne dit rien, mais ok. Il a bossé avec qui ? Il a bossé avec pas mal de groupes. Il a une chaîne YouTube, je suis allé voir tout à l'heure, et c'est vraiment du Dark Doom Jazz. Alors il a pas bossé avec Boren et Dark Clump of Gore. Mais il a bossé avec... j'avais trouvé des noms tout à l'heure. Tu veux que je t'appelle le truc ? Mm-hmm. C'est K-O avec un tréma, H-N-E-N, et c'est Jason son prénom. Okay. Je vais vous avouer que là, le jeu, je vois des images et tout. Ouais. C'est... Ça m'intéresse tellement peu. Ouais, ouais, ouais. Tellement pas bon. Je suis désolé. Du coup, je finis vite fait. Donc, lui, il a composé l'OST. Il a fait une OST évolutive et organique en fonction, effectivement, de ce qui se passe à l'action. Ce qu'il fait de plus en plus.
Si vous précommandez le jeu, vous aurez le petit DLC Derceto 1992 Costume Pack. Et ce qui fait que là, vous voyez ces graphismes extrêmement photoréalistes. Et ben, vous aurez le droit de jouer Edward Canby dans son polygone Windows 95 dans ce décor. Ce qui est donc une idée de merde, hein, en fait, qu'on se le dise. Même si c'est rigolo, quoi. Mais en même temps, rigolo et pas forcément bien. Et donc, il existe effectivement, comme il a été dit sur le chat, un prologue qui est dispo depuis le 25 mai, dans lequel on joue Grace Sanders, celle que l'on voit dans le trailer avec ses poupées, qui s'est paumée dans le Derceto Manor, je crois, et doit aller poster une lettre. Voilà. Et du coup, ils ne savent pas s'il y a une édition physique. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle mode avec Alan Wake 2. Hein. Ils ne savent pas s'ils vont sortir le jeu en édition physique. Ils se demandent s'ils vont le sortir en édition physique. Et si jamais ils le sortent en édition physique, ils se demandent s'ils vont ajouter le prologue dans l'édition physique. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Du coup, Félix, toi, tu disais effectivement que ça te parle pas. Bah, c'est une esthétique extrêmement standardisée, quoi. Ouais, et en fait, ça manque terriblement de personnalité. Ouais. Et comme t'as dit, en fait, quand j'ai vu les poupées dès le début, là, j'ai soupiré, j'ai un peu en mode, ça a marché. Tu vois, ça a marché fut un temps, ce genre d'esthétique. Maintenant, maintenant, je pense qu'il faut plutôt se diriger vers des trucs plus radicaux que l'hyper-réalisme, parce que c'est fait et c'est standardisé, quoi. C'est standardisé, alors, c'est ouais, un bon moyen de si le dire. Si je peux me permettre, pour le coup, c'est très rare que dans les jambes en coton, on présente des jeux qui sont hyper-réalistes. Ouais. Et heureusement, parce que ça veut dire, du coup, qu'il existe d'autres types de jeux. En fait, ce que je fais, Félix, c'est qu'en général, je présente 5 jeux et je prends 5 esthétiques, mais complètement différentes. Ah, mais ça, mais je suis trop... Pour le coup, moi, je suis là... je suis trop content parce qu'on parle un peu, tu sais, d'actualité, horreur et tout, etc. Moi, ça m'intéresse de fou. C'est juste... pour chaque truc, par exemple, quand on regarde l'esthétique du précédent jeu, il y a tellement plus de vie, tu vois, je trouve. Oui. Étonnamment. C'est beaucoup moins. Étonnamment, ça fait. Alors que c'est beaucoup plus artificiel, ça fait beaucoup moins artificiel, je trouve. Pour le coup, là où je vais défendre l'esthétique standardisée, on va dire, et je sais peut-être que Zaftig me rejoindra ou me contradira. Alone in the Dark, c'est vraiment le papa du Survival Horror. Hein. Il est, aujourd'hui, les gens considèrent que c'est lui qui a inventé le genre. C'est effectivement un jeu qui tournait sur micro-ordinateur. Là, on a Triruda dans le chat qui nous dit qu'il avait joué potentiellement au premier sur un PC 486. Donc, c'est vraiment un truc qui tenait sur disquette. Ouais, c'était les systèmes avant Windows. C'est ça. Ouais, et donc, du coup, je pense que t'as vraiment ce côté... En fait, le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il essaie de faire un reboot. Mais t'as vraiment ce côté... Putain, quand même, c'est le même jeu, mais... qu'est-ce que passage ça envoie visuellement, tu vois. Et tu vois, un peu comme le remake de FF7 qui est sorti. Ou du coup, FF7, c'est une esthétique PS1 très figée et tout, et c'était sympa. Et d'un coup, quand on a tous vu le remake de FF7, on s'est tous dit « Putain de merde, mais c'est tellement beau, quoi !» Et alors qu'en fait, fondamentalement, on a déjà fait le jeu, tu vois. C'était juste qu'on le revoyait avec des yeux de techniques nouvelles, quoi. Ouais, voilà. Mais là, j'avoue que... En fait, oui, je vois totalement l'idée un peu... C'est un peu un passage de Thor, genre nouvelle génération, voilà... Le Survival Horror a fait tout ce temps-là, 30 ans après, quoi. A fait tout ce chemin-là. Mais là, ça, c'est juste que... Moi, maintenant, je trouve que cette esthétique et ce format de jeu... Par exemple, tu vois, en fait, je pense que ça sera un jeu qui sera peut-être efficace, peut-être qui sera amusant de le jouer, mais j'ai du mal à voir en quoi ça va pouvoir être horror, tu vois. Après, ce qui est étonnant, c'est que le premier... Il y a des poupées, c'est de l'horreur. Voilà, le premier Alone in the Dark, vraiment la version originale, il y avait des limitations techniques qui faisaient que c'était des caméras figées, on jouait beaucoup sur le hors-champ. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est un jeu qui effrayait énormément les gens, parce que les limitations techniques faisaient qu'il se passait des sons à l'extérieur, et qu'en fait, il fallait volontairement changer de plan de caméra. Tu sais, je parle vraiment de ces jeux, mais t'as connu toi ça même avec l'esthétique PS1, ça revient... Vraiment avec des caméras fixes, et en fait, t'es obligé de changer d'écran pour aller voir ce qui se passe à côté, quoi. Ouais, et t'avais vraiment ce truc-là. Il avant l'heure, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, bah, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout ce truc-là. Et puis, c'est surtout un jeu où... FPS classique, quoi. Enfin, et le truc, c'est que Carnby, dans le premier jeu, il se faisait toucher deux fois, il crevait. Là, t'as littéralement, dans l'arsenal, apparemment, t'as des cocktails Molotov, des miniguns. Bon, ça me laisse un peu perplexe par rapport à ça, effectivement. Zaftik, qu'est-ce que
que t'en penses, toi, parce que du coup, tu nous as pas dit. Je suis mitigé. Déjà, il y a quand même le débat esthétique qu'évoquait Félix qui est intéressant. Effectivement, et à titre de comparaison, j'ai les deux versions d'FF7 et la dernière, j'ai absolument pas envie d'y revenir. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense qu'à choisir, je préférerais refaire l'original, si j'avais les deux jeux sous la main. Mmh. Parce que dans des graphismes pixelisés, on est obligé de faire un travail de lecture et d'interprétation, en fait. On doit décrypter l'image, on doit essayer un peu de décoder, de... Un ennemi qui arrive au loin, c'est une bouillie de pixels qui se rapproche de nous. Quand c'est haute résolution, on comprend toujours ce qui se passe. Le cerveau, il a aucun effort de traduction à faire pour comprendre ce qui se passe. Du coup, c'est ce qui fait que les jeux d'horreur aujourd'hui ressemblent à des jeux d'action, fondamentalement. Ouais, ouais. Et ça vaut aussi pour les remakes de Resident Evil, hein, que j'aime bien, mais en ayant des graphismes optimisés, on perd tout le travail de décodage du cerveau pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Et du coup, on passe direct à l'action tout le temps. On est toujours guidé, en fait. On n'a pas le sentiment d'être un peu paumé par des angles de caméra foireux, par des graphismes mal définis, par... Du coup, c'est lissé. C'est lissé et, effectivement, il y a des jeux pour lesquels c'est optimal. Comme tu fais Red Dead Redemption 2 en ce moment, je pense que les graphismes, c'est parfait. Hein, y a alors, pas de souci. Moi, pour l'horreur, en fait, je pense que... excuse-moi de t'interrompre. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont réfléchi en amont, et pour moi, le meilleur exemple de l'horreur moderne avec des graphismes photoréalistes sur des machines HD, c'est Dead Space, quoi. Genre, il y a des clignotements, il y a des jeux d'ombre, le jeu, il est frénétique parce que c'est l'horreur qui passe aussi par le fait que t'as pas de pause. Genre, le jeu a une pause active. Tu vas dans un magasin acheter un flingue, tu te fais niquer parce qu'il y a un monstre derrière toi. En fait, il y a ce côté précipitation, justement. Ce que tu disais, on doit passer tout de suite à l'action. Et je pense que Dead Space, quand ils l'ont imaginé, ils ont dit... Et peut-être qu'ils ont fait le même constat que toi, ils ont dit « Ok, en fait, ça c'est notre fer de lance. » C'est genre, l'horreur maintenant, c'est « Mec, ça fait peur, t'as pas le temps de réfléchir, quoi. Il faut que ça bouge, quoi, tu vois. » Et donc, du coup, il y a des gens qui l'ont recontextualisé et qui l'ont reconceptualisé. Là, Johnny the Dark, ça a l'air d'être « On va faire le même jeu qu'avant, mais avec l'Unreal Engine. » Et du coup, effectivement, c'est pas fonctionnel. Je sais pas. Après, comme tu disais, c'est un trailer qui a plusieurs mois. Ouais. Ils ont fait de la retape pour les personnages, ils ont probablement fait de la retape pour beaucoup d'autres choses. Donc à voir, là j'ai regardé le musicien Jason Conan. Ouais. Effectivement, c'est une pointure. Ouais, ok. Je vais pas forcément balancer des noms de groupe, mais. Il y a 2-3 trucs qui me parlaient. Il y a The Kilimanjaro, oui, Dark Jazz Ensemble, The Mount Fuji Doom Jazz, The Lovecraft Sextet, tout ça c'est des groupes de Dark Jazz de très très haut niveau. Aussi bien musicalement que vraiment en termes de composition. Musicalement, je veux dire, instrumentation, qualité d'interprétation instrumentale, c'est vraiment un certain level, quoi. Donc, Il y aura peut-être un truc réussi, du coup. Sur le son, il y aura probablement un travail intéressant. On est aussi sur une proposition qui revient sur les fondamentaux. Donc ça crée un nouveau débat, c'est-à-dire... Les derniers volets de Alone in the Dark étaient très mauvais. Là, ils reviennent sur des fondamentaux, quelque part, c'est rassurant. Cependant, est-ce qu'il serait pas temps de passer à autre chose, en fait, ouais. De créer une nouvelle licence, parce que là, ça dépasse Alone in the Dark, hein, la proposition d'Alone in the Dark, à l'époque, elle était originale. Elle reposait sur du gameplay, sur de la gestion de caméra. Effectivement, la façon dont le premier jeu avait été conçu, c'est cauchemardesque. Hein. C'était horrible de concevoir un jeu comme ça. On est d'accord que Frédéric Renal était quasiment seul en plus à la conception. Oui, oui, c'était vraiment un petit gars. En plus, il était tout jeune. Hein. Il avait 24-25 ans quand il a fait ce jeu. Ouais. C'est vrai que ça fait jeune. Hein. Pour ce que c'était... Pardon. Non, pardon. Pour la fin des années 80, sur micro-ordinateur, ouais, c'est balèze en fait. Ouais, non, c'est ouf. Non, pour le coup, c'est ouf. Fallait vraiment être très très fort en maths pour programmer un jeu comme Alone in the Dark à l'époque. Ouais, non, vraiment, il n'y avait pas les mêmes moyens. Quoi. C'était très très compliqué, c'était un format qu'on ne connaissait pas vraiment en fait. Il n'y avait pas de jeu qui ressemblait à ça. Puis le mec a inventé le jeu d'horreur, quoi. Ouais, en fait. Et en plus, il y a des mécaniques de jeu d'horreur, de la gestion de caméra, on va dire, de plan. C'était très costaud. Une proposition d'imaginaire aussi. Hein. C'était un jeu Lovecraftien, mais un jeu Lovecraftien, un jeu vidéo Lovecraftien en 92, il n'y en avait pas forcément un milliard. Et c'était pas ce que c'était aujourd'hui, hein. C'était pas une évidence d'aller dans cet univers-là. Donc c'était une proposition, mais voilà, dans un contexte où tout était nouveau.
faire Alone in the Dark aujourd'hui, alors que c'est la référence de tous les jeux de rôle, à commencer par Resident Evil. Hein. Le premier Resident Evil se passait dans un manoir, en partie parce que Sweet Home, oui. Le jeu Sweet Home se passait dans un manoir, oui. En partie parce que Alone in the Dark se passait dans un manoir. Oui, c'était le format standard pour lancer un jeu horrifique à l'époque. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, la pertinence du jeu, sans parler de sa qualité éventuelle, la pertinence du jeu, bon, on peut s'interroger. Est-ce que le jeu sera bon ou pas? Ça a l'air clairement meilleur que les dernières propositions. Est-ce que c'est intéressant ou pas, par contre, c'est une autre question. Par contre, en tout cas, ça a été relayé de partout, donc il y a vraiment une attente, quoi. Il y a une attente parce que il y a des acteurs d'un certain calibre qui se sont greffés. Il y a donc un musicien qui va s'occuper du son de haut niveau aussi. Il y a des gens au développement qui n'ont pas l'air malhonnêtes. Donc, effectivement, salut Rexa. On sait qu'on va pas forcément salut Rexa, qu'on va pas forcément mettre ça à la trappe, quoi. Enfin, c'est à surveiller. Je pense que c'est quand même un. La proposition m'a pas l'air trop malhonnête, en fait. Ouais. Je pense que ça vient pas de. Je sens pas le plan marketing absolu. Je sens vraiment une intention sincère. Après, moi, je dis pas non plus que c'est une honte, que c'est fait pour de mauvaises raisons. C'est juste que je trouve que c'est une manière de faire un jeu d'horreur qui maintenant est un peu dépassé, quoi. Ce qui est étonnant, parce que le réalisateur, on rappelle, c'est Monsieur Soma et Amnesia, donc de chez Visceral Games, si je dis pas de bêtises. Et c'est quand même des mecs qui ont inventé le nouveau standard de l'horreur à l'époque où le survival horror était en stase totale. On était passé de la génération PS2 avec les Silent Hill, Forbidden Siren et autres, à rien du tout. Et d'un coup, Amnesia arrive, Amnesia qui va de pair avec l'explosion des youtubeurs, quoi. Puisque ouais. PewDiePie, littéralement Amnesia, en fait. Hein. C'est ce qui l'a rendu célèbre, quoi. Ouais. Mais on a eu une nouvelle esthétique internet, et on a eu une nouvelle esthétique de l'horreur en jeu vidéo, puisque bah, vraiment, Amnesia, c'était sans précédent, quoi. Ça a inventé un standard, quoi. Tout complètement nouveau, je crois. Hein. C'est, Moi, je sais pas, je n'ai jamais vécu dans un monde où Amnesia n'existait pas. dans ma tête, tu vois. Ouais. Il y avait les jeux d'amorce, Penumbra, tout ça, qui annonçaient, mais... Ouais, Penumbra, c'était avant, ouais. Et ouais, c'était... Mais c'est vrai que Amnesia a pris toutes les fleurs un peu, mais qu'est-ce que c'était bien. Ouais, c'était une expérience. Hein. Comment dire, je crois que c'était Activision qui s'était chargé des précédents Alone in the Dark. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils avaient sous-traité. Ouais. Là, on passe plus par une boîte peut-être cynique qui veut miser sur une licence. Et là, j'ai quand même l'impression qu'ils essaient de partir sur des bases un peu plus saines. Donc, effectivement, en termes de proposition, ça n'a absolument pas l'air original. Ça a vraiment l'air de... C'est du Resident Evil, hein. Cela dit, à voir, parce que déjà, les images qu'on voit, elles ont plusieurs mois. Et parce que, même si ça va rien révolutionner, peut-être que la proposition sera honnête. Bien sûr. Je discrédite pas, parce qu'on a changé de main depuis les précédents, et que peut-être que, voilà, il se passe un truc. Je sais pas. Je suis d'accord. Mais après, tu vois, tu dis que c'est un peu à la Resident Evil, mais même Resident Evil a adapté son esthétique au temps, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis Resident Evil 7, c'est une autre histoire, quoi. Tout à fait. Allez, on passe au suivant, puisqu'on est resté longtemps. Je m'en doutais qu'on resterait longtemps sur Alone in the Dark, mais... T'avais prévenu. Oui. Bah écoutez, on passe à la suite. C'était la grosse actu, quoi. Let's go. Je vous préviens, ça risque d'être de la grosse merde, je vous le dis avant. Ah. This is Mission Control. Are you okay? There was an accident. We need to ascertain if we can still salvage this mission. Hey! Is someone there? Get yourself ready, kid. It's going to get real ugly as soon as the sun goes down. Est-ce que t'es fier de toi?
voir, meuf. Alors, vorax, à ne pas confondre avec le borax, qui est une matière différente. Qui est pas collier, donc. Oui. Vorax, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut vouloir dire... On a fouillé des détritus dans la poubelle, on les a mis dans un autre sachet pour faire un jeu. Du coup, voilà, je ne vais pas être tendre avec le jeu. Hein. C'est développé et édité par Indiegala, qui est donc un site de bundle en général, qui fait les de temps en temps des trucs sympas, mais c'est quand même les bundles les plus au rabais de tous les sites de bundle, par rapport à Humble Bundle, Fanatical et compagnie. Ça ah sort ouais, de quoi va, hein. Ah oui, t'y vas en termes de violence là. Ah ben Indiegala, c'est clairement pas bon en général, ce qu'il y a dedans. Voilà quoi. Du coup, ça sort au premier trimestre 2024, c'est disponible uniquement sur Steam. En même temps, j'ai un peu du mal à voir les joueurs consoles dépenser beaucoup d'argent là-dedans, puisque vous savez que les joueurs consoles, leur panier moyen est de 35 euros, pas les joueurs PC. Donc du coup, bah c'est quoi? Bah du coup, c'est un zombie de Call of, quoi. Hein? Donc ouais. Bah, on doit survivre, on doit crafter, on doit buter des zombies. Ça se passe sur une île méditerranéenne. Il y a une démo actuellement sur Steam, si vous voulez aller voir, ça s'appelle Vorax, je rappelle. Et il y a une roadmap des nouvelles sorties. Alors dans les nouvelles sorties, on nous promet bah, des véhicules, trop bien. Des nids d'infectés pour que on puisse savoir d'où ils viennent, trop bien. Plus de quêtes annexes, trop bien. Et plus de craft, blablabla. Bla bla. Voilà. Alors du coup, bah, moi j'avais joué au mode zombie de Black Ops à l'époque avec des potes. Et on avait joué genre, je sais pas, 8 heures. Donc je sais pas, 5-6 parties. Et on s'était dit, ok, on a fait le tour. Du coup, je rappelle, ça sort en 2024. Et je m'arrêterai sur cette réflexion, Zaftig. Déjà, t'as dit le mot réflexion, c'est plus que ce que je ne peux dire. J'ai qu'est-ce que... Alors là, vraiment... tu m'as scié, quoi. Indiegala, franchement... Indiegala, quoi. Il y a du fond de footage au début. C'est que, au début, quand j'ai vu le found footage, je me suis dit, ah, il y a un truc qui. Oh. Ouais, je me suis dit, c'est... Et puis non. Ça a l'air. Non, de... puis même, t'as l'espèce de grosse créature qui passe son œil à travers le trou, tu dis, ouais, il va y avoir un chara-design de ouf, ils vont nous sortir un truc un petit peu derrière le fagot. Et non, en fait, c'est un œil avec des tentacules. C'est tellement l'ennui, ce jeu, putain. Ouais, c'est pas bien, hein. Ah ouais, de ouf, hein. J'ai cramé toute ma bienveillance sur Alone in the Dark, donc là, c'est fini, j'ai plus. À la limite, achetez le dernier Call of Duty, hein. Vous aurez un jeu de tir pas trop dégueu et un mode zombie qui sera peut-être mieux que celui-là en fait, donc bon. Donc il y a eu un moment dans cette longue journée, dans cette longue après-midi, où tu es tombé dessus et tu dis ah, ça je... Alors, il y a même un moment dans cette longue après-midi où j'ai fait ah, je vais mettre ça, et après j'en avais 5 des jeux. J'ai regardé le suivant, j'ai fait putain, ça a l'air encore moins bien que Vorax, donc je l'ai sorti. Oh, le teasing. Bah non, il l'a enlevé. Ouais. Oh non! Ah mais si. Oh, je croyais que tu nous disais. Non, non. Que là, c'était quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Allez. Non, mais on y reviendra parce que c'était une alpha, donc on en parlera quand il sera en release, vous inquiétez pas. Non mais je sais pas, dans le chat, vous êtes hypé par ce genre de jeu? Parce que j'ai l'impression de voir DZ essayer de faire le mode que zombie de Call of, quoi. C'est-à-dire que même visuellement, c'est nul à chier, en le fait. Le chat, il est comme nous, tu nous as aguiché, là, et puis... Ouais. Arrêtez, je pense que c'est un jeu qui va essayer d'être fait pour que ce soit streamé par des... Papa Idol Pipocore. Ouais, mais là, t'as parlé complètement par-dessus, Félix. Eh ben, chacun son tour. Tu disais quoi, vous? Non, elle a raison. Ouais. Je me tais. Non, mais... Moi, je disais une connerie, tu peux y aller. Non, mais je disais... je pense que c'est un jeu qui est designé pour que ce soit streamé par des streamers, quoi. On fait encore ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans la roadmap et tout ça, il y a même pas. Parce que là, regardez les images. On va le revoir une quatrième fois ce trailer en boucle. Regardez bien. À aucun moment, on ne voit un autre être humain que des zombies. Donc, je ne sais même pas, et je vous jure que je n'ai pas l'info, si le jeu a un mode multi. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu solo. Je pense que c'est un jeu solo aussi. En vrai. C'est encore plus l'ennui, putain. Bon, les gens veulent voir le jeu, t'as dégagé l'air, meuf. Il faut que j'aille chercher ça. Non. On a voté. Non, mais en plus, la vidéo, c'était vraiment une vidéo de gens qui parlent pendant 11 minutes. Donc j'avais rien à montrer. T'avais pas d'image de jeu? Non. Eh ben écoutez, prenez votre mal en patience, vous verrez ça une prochaine fois. Mais voilà, un jeu solo comme ça. C'est-à-dire, à la limite, tu te dirais, tu vois, c'était quoi? C'était Seven Day to Die, un truc comme ça? Qu'il y avait un truc comme ça, de zombies aussi, où il fallait crafter des trucs. Je crois que c'était ça, Seven Day to Die. Auquel, Attends, j'ai une technique peut-être pour. Pour convaincre de montrer le jeu. Ne vous inquiétez pas, le chat, c'est parfaitement fait de manière contrôlée.
Si tu montes pas le jeu que t'as dégagé, je partage le lien sur Twitter. Oh le bâtard. Ben moi j'ai bientôt fini ma partie jeu vidéo, donc je m'en fous, ça sera Daftique de gérer quoi. Non, j'ai tout fait. Je n'ai pas réussi malheureusement. Non, Félix m'a dit qu'on restait en famille, t'arrêtes tes conneries maintenant. Non mais voilà, Seven Day to Die proposait déjà ça il y a quelques années. Il y a 12 ans en fait, puisque j'y ai joué avant de rencontrer ta fille. C'est sorti sur à peu près toutes les consoles. On pouvait jouer jusqu'à 4. Il y avait du craft, il y avait des zombies qui se reproduisaient de plus en plus tous les jours. Et les gars, c'était il y a 12 ans quoi. Et on pouvait jouer en multi. Là, en fait, j'ai pas compris ce qu'Indiegala ils ont fait. Ils se sont dit, est-ce qu'on ferait pas une expérience 2008? Tu vois, c'est peut-être ça en fait le pitch. Après, méfie-toi. En mode, c'était quoi l'essence des jeux d'horreur en 2008? C'est peut-être ça quoi, tu vois. Méfie-toi parce que c'est pas impossible que des gens voient le trailer du premier jeu que t'as partagé par exemple et disent. Waouh, mais c'est quoi cette merde? Ça sort en 2023. Oh là là, c'est quoi ce jeu super moche de PlayStation 1? Ils osent sortir ça? Bliblablou. Alors non, parce que pour le coup, c'est vraiment la, c'est revendiqué. L'esthétique à la mode des jeux itch.io qui sont les plus streamés. C'est ça. Bien sûr, jeunes. Mais mets-toi à la place d'un streamer lambda qui justement a l'habitude vraiment le casu gamer Call of Duty, tu vois? Ouais. Genre Kevin Duty, tu vois? Ouais. Bon, bah, je suis pas sûr que lui, il ait une certaine sensibilité. Oui, c'est Flèche, oui. Je suis pas sûr que lui, il ait une sensibilité à l'esthétique PS1 ou ne serait-ce qu'à des trucs très en la mode en ce moment comme le voxel, tu vois. Le voxel, c'est pas à la mode maintenant. Je pense que si, en vrai. Il y a des jeux qui sortent aujourd'hui. Étonnamment. Bon, bref, on va pas. Ouais, mais là, c'est un débat. Ouais, on va pas. Vous savez que ça fait beaucoup trop de temps qu'on part sur Vorax. Donc on va parler d'un autre jeu et à la limite on reprendra le débat mais avec des images qui sont agréables à l'œil en plus, tu vois. Voilà quoi. On passe à la suite du coup. Ouais, dernier trailer. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cet incroyable jeu trailer. Le prochain jeu a intérêt à être pire que celui-là. Non, ce sera bien, bien meilleur. Ah. C'est dommage parce que moi je voulais vraiment continuer à parler de Vorax. On va te ban. Allez, go, on ne t'invitera plus jamais. Allez, au suivant. Donc Humbody, dont j'avais déjà parlé dans la jambe au coton, mais c'était il y a un petit moment, je crois. Je vais vous en reparler, du coup, je vais même vous redire le pitch. Oui, peut-être Thiob, je ne sais pas. Oui, c'est exactement ça, Thiob, d'ailleurs, tu as raison. Donc c'est développé par Game Grumps, comme le dit Thiob à l'instant. C'est édité par Rogue Game. Rogue Game, donc du coup, ils ont édité plein de jeux indés, leur dernier en date étant The Mystery Case of Benedict Fox. Ça sort le 1er juin 2023, donc après-demain. Ça sort partout, hein. Donc ça sort sur les consoles PlayStation actuellement à la vente, les consoles Microsoft actuellement à la vente, les micro-ordinateurs actuellement à la vente, et la console Nintendo actuellement à la vente. Voilà. Donc comme dit, je l'avais déjà présenté dans l'émission, c'est un jeu d'horreur et de survie nostalgique dans lequel vous retrouvez de vieux amis tout en essayant de ne pas vous faire assassiner. Je vous rappelle le pitch parce que je l'avais trouvé assez intéressant. Et je sais pas si le trailer est si parlant que ça. Emily et ses amis du temps de l'université se sont rassemblés dans une maison de location isolée en vue de regarder les Perséides, donc des étoiles. Ils tentent de retisser les liens qui les unissaient autrefois, mais de vieilles blessures émotionnelles et une anxiété sociale donnent à Emily le sentiment d'être plus seule que jamais. C'est presque un soulagement lorsqu'ils perdent subitement le courant, mais dissimulés par les ténèbres, un mystérieux tueur les élimine un à un. Si Emily n'arrive pas à s'enfuir, elle sera à jamais prisonnière de ce cauchemar. Donc c'est un jeu, effectivement, où il faut échapper à un tueur, qui est tout le temps en recherche de notre personnage. Résoudre des puzzles dans la maison, puisque je suppose que, comme toute maison de jeux vidéo qui se respecte,
ils ont un architecte qui n'a jamais entendu parler des serrures, donc qui met des digicodes et autres conneries comme ça. Voilà. Non mais tu sais, depuis que j'ai joué à Prince of Persia, que je pense que le mec pour aller au shot, il est obligé de marcher le long des murs, bon. On pourrait croire à première vue du coup que ça semble difficile de s'échapper de la maison, mais en fait chaque tentative du coup nous donne des indices sur la marche à suivre, puisque en fait j'ai l'impression que c'est un die and retry, ce qui ne dit pas son nom, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'idée. Et du coup au-delà de ce délire de s'enfuir du slasher, qui est une esthétique que je trouve assez rigolote, hein, ce slasher, enfin, c'est une tête de chameau ou une tête de je sais pas trop quoi. Il va y avoir beaucoup de dialogues avec les anciens amis de la fac, du coup, avec qui il va falloir essayer de renouer. Donc, il va falloir faire évoluer son statut, entre guillemets, à travers des dialogues. Le jeu, apparemment, a une IA, enfin, les développeurs, en tout cas, se targuent d'avoir une IA de slasher plutôt cool, basée vraiment sur le bruit, sur la lumière, sur ce genre de choses. Mais par contre, il n'écoute pas à travers ton microphone, donc tu pourras respirer. Non, je sens une référence à un autre jeu qui existe. Ouais, bah tu sais, c'est le gif en plus qu'on utilise au début. Hein, voilà. Ouais, c'est il y a un dev en fait qui a fait 3 jeux dans l'année, notamment un qui se passe dans les tranchées de la seconde guerre de la première guerre mondiale. Et du coup, son délire à lui, c'est de temps en temps le jeu, il ouvre ton micro et il écoute si tu respires. Et si tu respires, et ben en fait, ça localise les ennemis. Voilà. Ah oh là là. Ouais, ça, c'était le jeu là sur le deep web là qui faisait ça. Ouais. Je sais pas si tu vois de quel jeu je parle. Je ne crois pas. C'est un jeu où je me souviens plus du nom. Où tu te balades sur le darknet, tu vois. OK. Et quoi ? Moi, j'ai dit OK. OK. Et Dans ce jeu-là, tu... En gros, il y a un contrôle pareil. Si tu parles trop fort dans ton micro, tu te fais remarquer par des hackers qui viennent te... Wow. Le jeu est un peu ridicule. Okay. Tu vois. Mais le jeu a une bonne ambiance en vrai, mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire, mais... C'est un jeu... Je me souviens plus du nom, si le chat peut m'aider. Attends, perché. Mais Apollo. Ouais, c'est un jeu. Welcome to the game, voilà, Welcome to the game 1 et 2. Ok, merci Ambris. Du coup, bah voilà, je finis sur les infos, pas grand chose à vous dire de plus. Apparemment, donc, du coup, notre personnage tient un journal et elle va noter à peu près tout ce qu'on croise d'anormal dans le jeu. Donc, du coup, apparemment, le journal c'est vraiment un support pour le joueur, pour lui éviter de prendre des notes dans un cahier. Mais en tout cas, voilà, c'est à l'ancienne, j'ai envie de dire, où il faudra consulter le journal pas mal de fois pour savoir qui fait quoi à tel endroit et ainsi de suite. C'est vraiment comme comme une carte heuristique et un flowchart de dialogue, quoi. Et du coup, faire le suivi aussi, hein, effectivement, des indices et des solutions au puzzle que le jeu propose. Et puis voilà, après, ils disent, ils promettent un dernier truc dans les features. Ils disent que les puzzles exigeront une approche créative et stratégique en vue d'être résolus. Alors ça veut tellement tout rien dire que je ne sais pas du tout ce qu'ils entendent par là. Mais bon, ça peut être intéressant. Je crois que c'est ce jeu-là. Oui, c'est ce jeu-là. Où ils ont une approche un peu à la Silent Hill également. Parce que de mémoire, il n'y a que Silent Hill qui proposait, surtout faire la saga Silent Hill. Vous pourrez régler votre niveau de difficulté pour les puzzles et votre niveau de difficulté pour les phases d'action, entre guillemets. Donc vous pourrez faire un jeu en extrêmement difficile puzzle, extrêmement facile action, par exemple. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'était une idée que j'avais trouvée très bien dans la saga Silent Hill. Vu que les combats étaient toujours un petit peu bancales, moi je me mettais tout le temps en normal ou en facile pour les combats. Et je me mettais soit en normal, soit en difficile pour les puzzles. Et c'était plutôt bien, du coup. Ça laissait le joueur jauger de son expérience, entre guillemets. Ça se dit que ça te... Bah alors, encore une esthétique différente, hein, une fois. Bon, voilà, c'était ça, j'en avais oublié d'en parler. Les graphismes sont un peu enfantins, je trouve. C'est étonnant. On pourrait presque croire. Ouais, mais c'est chou. En vrai, ça, tu vois, je trouve que ça a un peu plus de personnalité. Ouais. Oui, alors pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais c'est bon. Faire de l'horreur avec une city comme ça. Oui, je suis d'accord, ça va pas être très horrifique. J'avoue que Hello Neighbors, tu vois, j'ai pas accroché du tout, quoi. Ah, j'ai détesté. Ouais. C'est pas un bon jeu, donc ça. Oui, mais l'esthétique de base, tu vois, ça marchait pas avec moi. Oui, mais y a rien qui joue en sa faveur, ouais. Donc.
J'avoue que là, Et pourtant, ça se vend. Et ça se vend, il y a 50 spin-offs, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais ça a été vraiment détesté, la trajectoire que le jeu a pris a vraiment été vraiment pas apprécié, quoi. Bah, c'est mal fichu, quoi. C'était du game theory de bait. Ouais, peut-être. Non, mais ça, c'est pas... c'est vrai, en l'occurrence, parce que je pourrais parler un peu de toute la controverse, mais c'est qu'en gros, ils ont essayé de faire tout pour avoir une atmosphère de lore mystérieux, où tu peux faire plein de théories, etc. Et ils envoyaient des messages sur Twitter à mec qui a la chaîne Game Theory, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, ça se voyait que c'était une méthode marketing plus qu'une véritable narration. Une véritable, c'est voilà, presque ouais. Moins pire que Poppy Playtime, du coup. Poppy Playtime, hein, ouais, c'est compliqué. Après, moi, je trouve que je trouve toujours que la séquence de pourchasse du premier chapitre de Poppy Playtime est bien. Oui, genre, mais par contre, quand tu étudies un petit peu qui sont derrière, le lore derrière le truc et tout. Ah, c'est catastrophique. C'est juste un truc pour vendre des NFT à des mineurs, en fait. Hein. Exactement. C'est très triste. Ouais. Bref, du coup, je reviens vers toi, Zeftig. Moi, ça m'inspire pas grand-chose, pour être honnête. Si ce n'est que ça a l'air objectivement pas mal. Il y a un travail esthétique, la réalisation a l'air correcte. Enfin, il y a l'air d'y avoir une intention, quoi. Une proposition de... Après, en tant que gamer, c'est pas sur ma top list, quoi. Je vois ça, je me dis... je sais pas par quel bout le prendre, en fait. J'ai du mal à voir ce qu'on joue dans le jeu. Ouais, y a rien qui m'incite à vouloir le prendre en main, en fait. Donc, je peux le regarder objectivement et me dire ça a l'air propre, mais en tant que joueur, je me sens pas concerné. Ouais. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Du coup, j'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Même le chara-design. En bref, c'est dit, ça a l'air d'être un bon jeu. Ah bah en fait, je vous ai mis Vorax juste avant, donc ça biaise un peu, quoi. J'avoue que, en fait, avoir Vorax juste avant, ça fait que là, tous les jeux peuvent paraître nuls à côté. Masterclass, hein, c'est... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu teenage, quoi, qui est hyper... qui est hyper mise en avant par la description même du jeu et qu'on ne ressent pas dans la présentation visuelle. Mais je sais pas, moi le personnage principal en plus il me fait penser à Sydney, quoi. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce côté un peu scream, quoi, avec des personnalités fortes qui essaient de survivre au passage à l'âge adulte, entre guillemets, quoi. Et ça, moi c'est un truc qui m'intéresse de ouf, quoi. Le côté vraiment assumé de... En fait, on a un narrative game, mais il a fallu mettre du gameplay pour pas faire un visual novel, donc on a tenté un truc. Ça, je trouve ça pas mal, en fait. Je sais pas. Félix, toi, ça t'inspire quelque chose ou... Le jeu? Ouais. Pas trop. C'est pas mon esthétique, tu vois, mais je peux pas dire que c'est l'esthétique qui a raté, en même temps, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais l'esthétique me fait penser au film Monster House, là, le... Oh oui. Tu vois. Un peu de quoi je veux parler. Le film où la maison c'était le monstre. Ouais, voilà. Ah, c'était pas bien. Non, c'était vraiment pas bien. Ah, c'était pas très bien. C'était pas fait par Robert Zemeckis. Le festival de c'était pas bien. Attends, juste, je voulais rajouter. J'ai l'impression que le slasher, le masque du slasher et tout. Je reviens sur ton délire là, tu sais, de. Parce qu'on avait parlé de Elon Ebers qui essayait de construire un lore et tout ça, machin. Moi, je pense que c'est pas du tout l'intention de ce jeu là. Mais par contre, l'esthétique du slasher, je trouve qu'elle se prête totalement à faire du... Alors désolé, ça va être péjoratif, hein, ce que je vais dire. Parce que d'habitude, on parle entre vieux, donc on n'a pas des jeunes gens pour nous contredire. Je trouve qu'il y a vraiment ce délire 14-17 ans. Le potentiel monstre 14-17 ans, tu vois. En mode monstre hyper flippant qui va faire discuter. Je sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment ce délire de genre... on pourrait écrire des fanfictions sur ce slasher, tu vois, quoi. Oui, je vois un peu ce que tu veux dire, un peu l'effet Jeff the Killer, un peu. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Alexa tout à l'heure qui disait ça. C'est Sarah d'Animal Crossing qui vient tuer tout le monde. Ouais, Il y a un habitant potentiel d'Animal Crossing qui ressemble un petit peu à ce truc-là. Attendez, je montre à Armof, il va voir. Ouais.
Mais ce qui est intéressant aussi, là c'est un truc qu'on n'a pas discuté par rapport au trailer, je sais pas si... Ah oui, complètement. Oui, voilà. C'est le dromadaire. Il y a un truc qui m'interpelle sur le trailer, et je l'avais... Enfin, j'en ai pas parlé parce que je l'ai vu tout à l'heure, et à chaque fois qu'il passe, ça m'interpelle. Le plan avec l'horloge qui passe, là, et même ça, là, tu vois, les rideaux cut et tout. Il y a un plan sur les personnages avec le temps qui passe et le balancier. Et en fait, à chaque fois qu'il est devant la porte, il y a une évolution de la corruption au niveau de la porte. C'est un peu étonnant. Je sais pas. Ah, si... je pense que c'est peut-être un jeu qui va cacher des trucs, je pense. Peut-être, hein. Peut-être. Moi, je sais pas. Moi, j'ai étonnamment pas trop. Enfin, je suis assez intrigué en réalité parce que ça pourrait donner. Je pense que ça peut être un jeu qui essaye c'est un c'est une mécanique qui arrive de plus en plus, c'est des jeux qui font un peu un switch. Ouais. En fait, tu t'attends à quelque chose, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose d'autre. Ouais, ouais. Parce que ça crée des expériences d'horreur beaucoup plus viscérales. Tu t'attends vraiment pas à ce que ce soit... le fait que tu t'attendes pas à un type d'horreur particulier... rend le jeu particulièrement marquant. Je pense que c'est possible que ça veuille capitaliser sur ça. Parce que j'avoue que moi, il y a plein de trucs que je ne m'explique pas dans ce trailer qui m'intriguent un peu. Tu vois, mais je me dis comme, pourquoi il y a ces images. Comme dit précédemment, moi, je ne comprends pas ce qu'on joue, de toute façon. Donc, voilà. Ouais. Il n'y a pas de gameplay, en fait. Ça pourrait être, à mes yeux, une technique, mais si le jeu est banal, ben, c'est juste que c'est un trailer pas très bien fait, quoi. Ouais. Bref. J'en ai fini de ma partie jeu vidéo. J'allais proposer, comme il est déjà 21h44, qu'on passe sur le finding que Félix va essayer de ne pas faire. Parce que ce serait bien qu'on termine l'émission à 23h. Et puis s'il est parti, eh ben, écoutez, au pire on partira et puis on vous laissera avec lui et puis vous vous démerderez. Du coup, Félix, si vous voulez nous parler d'une petite chose ce soir, si je ne dis pas. Allez, du truc le plus terrifiant qui ait jamais existé. Waouh. Alors. Alors moi, du coup, j'ai pas de trailer à donner, parce que tout simplement, ce n'est... 30 secondes, tu voulais en pourquoi, Armand? Non, parce que je voyais pas Zeny, donc je suis allé regarder. Alors, j'ai fait un truc que normalement, on est supposé ne pas faire quand on est un vrai bon streamer, mais c'est pas mon cas. Donc j'en profite pour faire un bisou à Maki Deluxe, qui est toujours caché dans le public. Oh, ouais. Coucou Kim. Ok, et eh ben, t'as pas de trailer rigolo à nous montrer, par contre, j'ai des images. Donc je te laisse introduire ta news, et puis ensuite, on va se mettre ça. J'aimerais bien qu'on mette une image fixe parce que pour le coup, voir le gameplay, ça peut vraiment niquer l'expérience de jeu pour des raisons particulières. Eh ben je peux mettre une image fixe. Est-ce que tu as un lien à m'envoyer? Est-ce que je cherche toute seule? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je vais te trouver une image. T'as dit quoi, pardon? J'ai pas entendu. Je vais te trouver une image. Okay. Je vais te trouver une image. Ouais, j'ai baissé un petit peu le son de la télé parce que nous, du coup, on n'entend pas Félix de ouf. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que chez vous, il était un peu dans une cathédrale et personne n'a rien dit. Il y avait un sacré écho. Donc je me suis permis de baisser un petit peu le son. Ah, ça repise dans le microphone. Oui, c'est pour ça que j'ai baissé le son. Ok. Tu me l'envoies sur quoi? Je te l'ai envoyé, j'ai envoyé sur Discord normalement l'image. Okay. Très bien. Ah ouais. Ça me va. Non, il était très bien, tout le monde nous dit. Ah ouais? Bon, on va remettre le son alors. Ah ouais, ok, parce qu'on peut entendre. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans une. Qu'on re-entende Feldoup. Que c'était un peu dégueu cracra quoi. Attends, je te l'envoie sur Twitter du coup l'image. Non, non, c'est bon là. T'inquiète. Okay. Je suis juste en train alors, de mon côté quoi. Je vous parlais brièvement, pas trop. Mais je vais vous parler de. Je vais vous parler de myhouse.wad, dont vous avez très probablement entendu parler si vous êtes actuellement sur Internet. Si vous êtes sur Internet et que vous êtes un peu intéressé par l'univers un peu ARG, un peu particulier, j'espère pouvoir le faire découvrir à quelques personnes, parce que concrètement, c'est une, je pense pour l'instant, la meilleure création horrifique de l'année. Oui, voilà, donc là tu vas rigoler, Armof. Ouais, mais l'emphase. Mais... Ouais. Mais je le pense vraiment, pour le coup. Pour l'instant, c'est le meilleur truc que j'ai vu cette année. Donc, ça peut être surprenant si je le dis, mais c'est un mode de Doom. Qui. Doom 2, c'est ça, même. Est très surprenant. Alors, dans le lien du download, ça dit que ça dure, c'est une map qui dure 15 minutes. je vais vous spoiler, vous dire que ce n'est pas le cas.
Et je vais juste vous dire une chose, c'est ne faites aucune recherche sur ce jeu. Téléchargez le logiciel GZ Doom. Installez myhouse.wad, que vous trouverez sur les forums de Doom, hein, etc. Et jouez tout bêtement au jeu. C'est un mindfuck complet. C'est une excellente expérience. Normalement, si vous trouvez le lien de téléchargement original, vous aurez accès à également des dossiers un peu intéressants pour arriver à progresser un peu et comprendre ce qui se passe dans ce jeu. C'est dans un Google Drive. Je vous invite à y jouer. C'est phénoménal. Alors, ça paraît pas, parce que ça reste quand même un mode de Doom, mais c'est utiliser Doom et en faire quelque chose de jamais vu auparavant. Donc voilà, j'arrêterai en disant qu'il faut que vous jouiez à ça. Ah merde, je pensais vraiment que t'allais en parler longtemps. Ah non. D'accord. Voilà, je voulais juste faire la pub pour un truc incroyable et juste espérer que les gens... Vraiment, j'invite par contre vraiment aux gens d'y jouer. Bah du coup je vais poser des questions concernant un autre jeu parce que du coup Tachi est parti oui je vais faire un autre truc du coup mais je voulais revenir si tu veux bien sur l'expérience Lost Boy du coup parce que tu as retrouvé le jeu. Ouais. Pas de problème, tu as retrouvé le jeu donc ce jeu qui avait vraisemblablement disparu et qui était considéré comme un lost footage. Alors je suis désolé, je vous ai spoilé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la regarder parce qu'il a posté il y a 2-3 jours. La dernière vidéo de Félix, hein, parle de... Alors c'est pas un findings, puisque c'est un complément d'enquête, comme tu disais. C'est exactement. Un format plus court, et du coup, effectivement, tu reviens sur ta recherche de Lost Boy, qui était pas si bien planqué, comme tu disais. Ouais, exactement. Et du coup, alors, toi, t'es vraiment dans la communauté... maintenant, tu t'inscris comme détective dans la communauté Lost Media. Enfin, je sais pas, c'est... J'ai toujours un peu essayé. En vrai, je le fais un peu de mon côté aussi. Ouais. Mais il faut savoir que les recherches de Lost Media, pour les besoins de mes vidéos, je les présente comme des trucs très actifs. Mais en réalité, c'est beaucoup de... On essaye un truc, on n'y arrive pas, on attend un mois, tu vois. Ok. Mais là, pour le coup, moi, j'essaye un peu de m'y immiscer parce que je trouve ça assez fascinant. Pour ceux qui n'ont pas... je peux raconter brièvement l'histoire de LostBoy.exe, s'il faut. Vas-y, hein. C'est en 2012. En 2012, il y a quelqu'un qui a réalisé plusieurs posts sur 4chan pour faire la pub d'un jeu vidéo avec des messages un peu cryptiques, des images un peu inexpliquées, etc. Il a posté plusieurs liens vers LostBoy.exe, un jeu sorte de labyrinthe. Tu peux mettre du footage là pour le coup. Une sorte de... c'est pas moi qui gère la technique, donc c'est Tachi. pas la peine du coup. C'est un jeu, donc c'est une sorte de labyrinthe, un peu un labyrinthe tout simple, un peu ridicule même. Hein. Il est très simple avec des images un peu cachées dedans. Sauf tu sais que quoi, malheureusement, t'en as pas parlé parce que je sais que c'est un jeu. Moi à la base j'avais presque envie d'écrire un épisode, mais on en avait parlé il y a quelques années. Que j'ai finalement annulé parce que c'est hyper sordide, voilà. Mais ça m'a fait penser à Sad Satan, mec, hein, en fait. Ah, mais Sad Satan, moi j'ai... Sad Satan, il y aurait plus de choses à dire, mais vraiment, ouais. Pour le coup, je pense un jour peut-être parler de Sad Satan. Parce ouais. Que pour le coup, Sad Satan, il s'est passé une chose à peu près similaire à LostBoy.exe. C'est qu'un usurpateur est arrivé ensuite sur 4chan et a pris l'identité... a fait semblant d'être la personne qui avait créé le jeu. Et en fait, ce jeu était un virus. Et LostBoy.exe est devenu connu comme un jeu virus qui a lentement été perdu, parce qu'évidemment, tout le monde avait peur de télécharger. Et après effort de recherche, j'ai retrouvé le jeu et on s'est rendu compte que l'usurpateur n'était pas donc. Que justement, il y avait un usurpateur, etc. Mais ça de Satan, c'est une autre histoire assez fascinante, c'est que fascinante, mais aussi très sordide. Alors c'est vraiment Reddit pour le coup qui a résolu l'enquête, hein. Parce que moi ouais. J'avais suivi le truc en temps réel à l'époque où j'écrivais l'épisode sur ça de Satan, et ils avaient vraiment essayé de trouver les concepteurs, les trucs, les machins, le fait que bon bref, on sait tous les deux que ça s'est terminé sur du pénal, hein, sordide histoire. Ouais, quoi. le gars a été arrêté. On parle bien du gars qui avait posté la version où il y avait de la véritable voilà. Oui.
Et le truc, c'est que c'est vraiment Reddit pendant des mois et des mois sur des threads qui ont joué les détectives pour essayer de retrouver l'identité des personnes et tout. C'est bon, la technique est revenue. Ouais, mais t'inquiète. Let's Qu'est-ce go. Qu'il fallait, et il y avait, ouais, c'était le créateur, il avait créé une vidéo qui s'appelait, je crois, Satan, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, non, c'est une histoire vraiment pour le coup, ça fait partie des vraies histoires bien. Bien, j'en parlerai un jour sur ma chaîne, quoi. Ouais. C'est vraiment une histoire très sordide pour le coup, vraiment. Ah bah pour ouais. le coup, ça va être compliqué là de mettre du footage. Ah, de Satan. Ça t'attend. Que vous vouliez. Ouais, vous voulez mettre. Oh, du... Moi, j'allais. Ouais, mais bah, mets la vidéo. De... Voilà. Mets la vidéo de Félix. Mais ouais, là où je voulais revenir sur l'expérience Lost Boy, Félix, du coup, si tu veux bien. Ouais. C'est bon, bah déjà toi, j'ai l'impression que t'as une espèce de d'ivresse et d'effervescence à retrouver le truc. Ça, ouais. tu l'as, je trouve que tu l'as pas mal retransmis. Et encore, c'est a posteriori, donc j'ai l'impression que dans ta tête, ça a vraiment implosé quand tu as déjà la version que t'as trouvée avec le message incroyable. Vraiment, ça c'était. Ah non, mais c'était trop drôle. La douche froide, très drôle quoi. Et surtout que ça a pris vraiment toute une après-midi à créer des trucs pour protection virus, tout ça, etc. Pour un message, juste une petite insulte à la con. Genre, ah oui, on va faire strike la VOD à cause de la vidéo de Félix. Quoi ? Pourquoi ? Bah, parce que... bah oui, sûrement. Bah non, normalement il n'y a pas de strike qui est réalisé sur ma chaîne. Je ne strike pas les gens qui font des reacts. Donc, ah oui, c'est vrai. Comme... Oui, bah on a... alors c'est Rebeu des Terres, c'est bon, tout va bien. Voilà, j'ai dit le mot de passe. Dit let's go, dit les refs maintenant. Voilà. Yo les refs, c'est Rebeu des Terres, c'est bon ? Ça passe, okay. Ça passe. On sent quand même que t'as 40 ans, mais ça passe. Oui, bah bien sûr. non, mais et ça tacle le sévère. Hein. Non, mais j'assume de ouf, y'a pas de problème. Moi, Kwakubé, ça me fait rire alors que j'ai 40 ah, ans. Ah, c'est très très drôle. Je suis désolé, c'est très très drôle. Objectivement, oui. Kwakubé, c'était très très drôle. Mais du coup, pour revenir donc sur cette expérience. T'as réussi à choper le mec. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai adoré. T'as réussi à interviewer le créateur du coup du jeu. Et pour le coup, moi, j'ai eu beaucoup de doutes. Vraiment, sur le moment, j'étais très sceptique. Mais en vrai, j'ai vérifié. Il n'y a pas de doute. C'est bel et bien lui. Ouais. Et j'ai trouvé le créateur du jeu. Et ça, je pensais vraiment pas que ça allait arriver. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dédiée. C'est que c'était juste trop fou, tu vois, pour juste mettre ça. Vraiment, le gars, il était très sympa, etc. Et le fait que t'apprends des trucs de fou, genre par exemple que Lostboy.exe, le gars qui avait fait l'usurpation d'identité, qui avait fait un virus qui avait vraiment terrifié tout le monde et qui a changé de manière permanente les règles du site 4chan, oui, se ça, dire que ce gars, de base, c'était juste une vengeance. Quoi ? C'était à cause de ce mec-là, du coup, qu'on ne pouvait plus mettre de lien sur 4chan, c'est ça ? Exactement. Et ce qui est incroyable avec ça, c'est quand même que. Le gars a fait ça parce qu'il s'était fait virer d'un chat IRC de Roleplay oui. Furry, quoi. Ouais, ouais. C'est quand même... Je trouve ça... Franchement, c'est magique, c'est Internet, quoi. Ça me fascine, ce genre de choses. Et aussi, apprendre qu'il y avait un Lostboy.exe 2 qui était prévu et qui va peut-être le faire, du coup. C'est vraiment quelque chose. Je trouve ça vraiment super sympa. Du coup, dernière question par rapport à ça, parce que t'en as pas parlé. Ouais. T'as retrouvé Lost Boy, t'as retrouvé le créateur, t'as fait une vidéo, t'as montré à tous les gens qui le cherchaient où c'était, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est disponible, tu sais qui est le mec et tout. Et j'ai l'impression en regardant ta vidéo que tout le monde a fait OK Osef Boy. Alors que, est-ce qu'il y a une réaction en fait de la communauté par rapport à ça des détectives quoi, entre guillemets. Ah, alors pour le coup, Lost Boy c'était pas un des trucs les plus recherchés. Ouais. Mais je crois que y a des gens qui sont assez satisfaits qu'il ait été retrouvé. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai pas encore trop vu. Je sais que la réaction des gens sur ma vidéo était positive de fou. Je sais qu'il y a eu une bonne réaction de la part des gens qui suivent ma chaîne. J'attends que ça crosse dans la communauté anglophone. Ouais, je pensais que c'était vraiment ça dont je parlais en fait quoi. Ouais, dire que ça va arriver jusque là, ça va prendre du temps je pense. Parce que attends, là je suis en train de trouver des j'ai une réaction sur Creepy Gaming. Ouais.
Eh ben écoute, tout le monde a l'air d'être très très fier. C'est cool. Ok. Il y a un post sur le subreddit Creepy Gaming, qui est un subreddit très très bien, qui a été posté visiblement par des Français, qui annonce le fait que ça a été posté. Ouais, non, ça se passe bien, ça se passe bien, mais ça va mettre du temps. Je pense que ça va mettre du temps. Avant que ça crosse, mais ça va se faire. Parce que du coup, le délire, c'est que dans la communauté comme ça des Lost Media, moi, c'est un truc que je découvre vraiment à travers ce que toi, tu en dis, quoi. Est-ce qu'il y a un délire nominatif? Est-ce qu'il y a un délire de genre d'achievement, quoi? Tu vois, est-ce que c'est Feldul qui a retrouvé le truc? Ou est-ce que c'est genre, il y a un gars qui a retrouvé le truc? Alors ça, c'est... Moi, ça, c'est un truc qui me fascine vraiment. C'est que pour le coup, c'est un des rares trucs où... Quand les gens trouvent un Lost Media, c'est un achievement de la communauté, mais pas forcément d'une personne, et tout le monde est OK avec ça. Okay. Les personnes sont quand même enregistrées, les gens sont toujours en mode « oui, cette personne l'a trouvé », et l'utilisateur est toujours crédité. Mais c'est toujours, finalement, on englobe tous ces gens dans le Lost Media Wiki, et je trouve que ça a un côté un peu communautaire qui, moi, je trouve ça très chou, tu vois. Ouais, c'est chouette. Ça, vraiment, je trouve. C'est chouette, c'est chouette. Ok. Bah du coup, juste pour terminer sur les Lost Media, et puis après on passera à la partie cinéma si vous voulez bien. Ouais. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu voulais dire quelque chose? Vas-y, vas-y, continue, continue. Mais en fait, si tu veux, il y a eu toute une partie où j'étais pas là. Donc je savais pas si tu avais eu l'occasion de discuter ou pas. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Mais vas-y, ah, dis-nous. Attends, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. C'était pour conclure, et passer au truc suivant. Donc vas-y, je t'en prie, je ferai ma transition après. Non, juste quand même pour revenir au sujet initial de My House. Ah, ouais. Attends, faut changer. C'est très bien de pas trop dévoiler, effectivement, la nature de l'expérience. Parce que c'est quand même un... Il y a un certain level de mindfuck. Mais si éventuellement il y a des gens qui veulent l'essayer, c'est une expérience très complète. Ça fait vraiment le tour de ce que ça propose. C'est pas, enfin, c'est pas un mode extravagant. C'est vraiment une proposition esthétique. C'est vraiment une proposition qui réfléchit sur le média, qui mérite qu'on y passe du temps, qu'on enquête, qu'on réfléchisse à l'intention. Ça mène à quelque chose, en effet. Ça mène à quelque chose. C'est pas le bordel juste pour du bordel, quoi. Non, c'est pas on pète les règles, on fait n'importe quoi. C'est très structuré. Il y a vraiment une motivation derrière. On en discutait avant, donc on sait pas trop si c'est combien de personnes sont à l'origine de cette initiative. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on découvre quand on prend la mesure de ce que ça propose et qu'on se dit que ça a été fait par une poignée de personnes. C'est assez bluffant. Ouais. Aussi bien si on est fan de Doom d'ailleurs, parce que ça casse un peu... Ah, par contre, ça joue énormément, oui, en effet, avec si vous avez été des joueurs de Doom à l'époque. Et même si vous êtes dans la communauté de Doom, ça joue énormément sur les codes de Doom, etc., pour déstabiliser le joueur, avec des détails présents régulièrement dans tout le jeu qui sont là pour vous mettre... Ça, c'est une forme d'horreur que moi, je trouve pas vraiment incroyable. C'est le fait de manière très subtile, impacter le joueur avec d'impacter le joueur avec des minuscules changements à peine perceptibles mais qui sont ressentis. Voilà. Ouais. Oui, c'est un jeu encore sans trop dévoiler, mais c'est un jeu d'exploration greffé sur un jeu d'action. Ça reste un jeu d'action. Ça joue beaucoup sur la familiarité de ce qu'était Doom. Et sur la décontextualisation, enfin, ça joue un peu sur vraiment les attentes, ce que ça propose à l'origine, ce qu'ils essaient de créer au niveau du narratif. Et voilà, hein, ce que tu dis, hein, c'est-à-dire vraiment créer de l'étrangeté. Créer de l'étrangeté par rapport à des attentes, par rapport à des choses qu'on connaît, par rapport à la structure traditionnelle dans le jeu Doom. Ça joue sur des détails vraiment très 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 subtils. Ce qui est un adjectif qu'on n'emploie pas forcément beaucoup quand on parle de Doom. Donc voilà, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Que vous regardiez des let's play, que vous
essayer d'y jouer vous-même. En tout cas, c'est pas une expérience anodine. Bien. En effet. Eh bien, écoutez, pour la peine, je vous raconterai ce que je voulais vous raconter à la fin de l'émission, parce que si je le fais maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont plus être attentifs. Oui. T'as vu, là aussi, on arrive à hyper les gens et à teaser les gens. Waouh. T'as vu ça un peu ? Magistral. Ouais, donc je compte sur vous pour me le rappeler, parce que je vais oublier. du coup, on va passer à la partie cinéma. Aka. Chicha. Aka, ouais, Chicha, ouais. C'est le ref à Astérix. Merci Guillaume Canet. Aka, le moment où potentiellement la vidéo va être strikée, donc je fais une petite aparté pour les gens qui regardent les VOD, je sais qu'il y en a. D'ailleurs, merci aux gens qui regardent les VOD, pardon, à chaque fois vous êtes à peu près 150, l'air de rien, à nous écouter parler pendant presque 3 heures. 10 fois plus que les gens en direct. Exactement, mais c'est vrai en plus, presque 10 fois plus que les gens en direct, c'est très vrai. Donc merci à ceux qui regardent la VOD et du coup, nos excuses pour toutes les fois où vous vous retrouvez face à un écran noir avec du rien ou face à des images qui bougent sans son. Moi aussi, toutes nos excuses pour quand vous regardez les VOD une semaine sur deux et que pendant un mois et demi vous demandez pourquoi il n'y a pas d'émission. Ça, c'est normal. Je veux dire, les gens ont l'habitude d'être abonnés à l'Arme Ultime et ils savent qu'il y a une vidéo qui pop tous les deux ans. C'est normal. Tout à fait. Donc voilà, on va passer à la partie cinéma. S'il y a des moments qui sont coupés, et ben désolé. De toute façon, tous les liens de toutes les vidéos qui sont montrées sont toujours disponibles sous la vidéo, puisque dans la description, vous avez tous les titres, les noms des donc jeux. Donc vous pourrez aller voir la vidéo non censurée sur YouTube, alors qu'elle est sur YouTube, mais censurée chez nous. C'est ça. Ouais, exactement. Ben oui, c'est très vrai ce que vous dites, Armeuf. On se lance du coup ? Allez. Zaftik, t'es prêt ? C'est bon. Eh bien, écoutez. C'est goût, oui. Eh bien, attends, il faut que je coupe le son. Ah oui. Et que je mette le son. Eh bien, goût. Les sous-titres. Et que je lise en boucle et que je les mette ou que je les enlève ? Que les mettre. Que je mette les sous-titres. Anglais. C'est... Oui, non, mais. Ouais, y a pas. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais ? Ouais. C'est tout en anglais. C'est tout en anglais. Et... Eh bien écoutez, eux fait ça, et puis eux se voient après. Allez, on y va. Et bisous. Thank you for giving me life and the house. This is beautiful. Is that her? Yeah. Do you hate your mother? No. Do you miss your mother? We're gonna get that. Damn it. What are you doing? Anya, are you smoking? I'm so happy you've come home. You ever trip with somebody and they start acting like another person? Anya! Anya can't swim. What is happening? You tidy, you make the bed, you make me eggs, you make me bacon. Stop! Toujours les meilleurs bails, hein. Mm-hmm. On adore. Mm-hmm. Zaftig. Mother May I, écrit et réalisé par Laurence Vanicelli, dont ce sera le premier long métrage, mais dont l'histoire a retenu mon attention. Je vais l'éclaircir parce que le trailer dit tout et en même temps il est peut-être un petit peu opaque, je sais pas trop. Donc le film nous plonge dans l'histoire de Emmett, qui cherche à nettoyer et à revendre la maison de sa mère après le décès de cette dernière. Il veut faire ça très vite, pour évacuer au plus vite tout traumatisme résiduel qu'il a vis-à-vis de sa mère, qui l'a maltraité quand il était enfant, et abandonné. Mais Anya, sa fiancée, y voit l'occasion idéale pour Emmett de faire face à son traumatisme,
puisqu'elle estime que son compagnon est traumatisé et qu'il faut y mettre un terme, et que là c'est l'occasion ou jamais, dans la maison familiale, on va faire face à tout ça et on va régler la situation. Elle le convainc de consommer des champis pour triper un petit peu, dans l'espoir de le faire lâcher prise. Cependant, il se passe quelque chose d'étrange. Anya commence à se comporter comme sa mère. Le lendemain matin, donc après le trip, Emmett se réveille sobre, mais Anya, qui est présentée comme très joueuse, hein, on a un peu de mal à la cerner, persiste dans son rôle, elle continue d'incarner la mère. Le film va alors jouer sur l'ambiguïté du comportement d'Anya. Est-ce qu'elle pousse la blague très loin? Est-ce qu'elle est véritablement possédée? Qu'est-ce qui se passe pendant leur séjour? Voilà. En termes de distribution, on a un casting plutôt solide. Hein. On a Kyle Gallner qui s'est distingué dans le genre de l'horreur ces derniers temps, puisqu'il jouait dans le cinquième Scream et qu'il tenait l'un des rôles principaux de Smile, le policier, hein, si vous avez vu le film. Il partage l'affiche avec Olen Roden, hein, célèbre pour son rôle de Teen Wolf, s'il y a des gens parmi vous qui ont regardé Teen Wolf, hein, mais c'était l'un des rôles principaux. On trouve aussi, je crois qu'on ne le voit pas dans le trailer, mais Chris Mulkey, qui jouait Hank Jennings dans Twin Peaks et que l'on a aussi vu dans Better Call Saul ou Whiplash. Le film... en fait, c'est difficile quand on parle du cinéma, qu'on essaie d'être pas mal sur le cinéma indépendant aussi. En général, on n'a pas des très très bons films. Celui-là est précédé d'une bonne réputation. Les gens qui l'ont vu ont l'air d'en avoir vraiment pensé du bien. Il devrait sortir en juillet en VOD. En attendant de voir si une sortie française sera programmée. Voilà. Le synopsis m'a plu, le trailer me convainc plutôt, je saute pas au plafond, mais je me dis pourquoi pas. Donc voilà, Armof. Ça me parle de ouf. Mm-hmm. Ça me parle de ouf parce que... alors j'avais pas tout bien compris effectivement. En fait moi ça m'a accroché sur un truc, mais parce que c'est très personnel. J'ai l'impression déjà que c'est de l'horreur psychologique et que c'est de l'horreur qui va du coup émotionnelle. Tout à fait. Donc qui va aller nous chercher. Ça se présente vraiment comme littéralement sur un, ça. Sur un terrain que oui ou non on a décidé d'emprunter. Je pense que il y a 10 ans, j'aurais vu ce truc, je me suis dit ouais pourquoi pas. Bon bah en fait voilà, on a l'âge qu'on a, on vieillit, les parents vieillissent, et du coup. L'idée même là, le plan a hyper bien marché, ce plan là. Mm. Où genre, le mec, je comprends qu'il est dans la maison de sa mère, que sa mère est décédée. Et du coup, il est au milieu de la baraque, et il y a un truc qui se passe. Et du coup, je sais pas, empathiquement, je me suis ultra projeté. Mm. Et alors, c'est une situation super drôle, en plus, parce qu'il se trouve que ma maman est actuellement partie en vacances aujourd'hui, c'est pendant vrai. Quelques jours. Et que du coup, avec Tachi, nous sommes de 4 sittings. Et que donc nous allons passer la journée chez ma mère aujourd'hui, et ce pour tous les jours. Éviter les champignons ce soir-ci, on va dire peut-être. De quoi ? Éviter les champignons ce soir-ci. Oui, alors non, ce sera la morale. Hein. C'est pas ça, mais le truc c'est. Non, bon, ça c'est le truc que j'avais pas compris justement du trailer. Mais l'idée de se retrouver dans cette maison dans laquelle j'ai grandi, et pourtant j'ai pas passé toute mon enfance là parce que on a déménagé 3 fois hein, dans la cellule familiale maternelle quoi. Mais voilà, c'est un endroit que je connais extrêmement bien. Et du coup, des fois, comme ça, là, juste le voir vide, je sais que ma mère est de retour, donc il n'y a pas de problème. Mais si je fais une projection un peu badante, de genre, bon, bah voilà, en fait, ma mère vient de décéder, je suis dans cette maison, bah en fait, waouh, la charge émotionnelle, elle est si violente que j'ai pas du tout envie, en fait. Et du coup, le film, là, de ce que j'en... avant même de comprendre le truc, j'ai vu ce plan, là, précisément, et je me suis dit. Oh là 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 là, ce film il va me mettre tellement une vilaine claque derrière la tête. Du coup j'ai envie de le voir. Voilà. J'avais pas compris qu'il y avait une histoire de... Il avait été maltraité. Parce que précisément, moi j'ai eu une relation... Je suis très très proche de... On est très complices avec ma mère. Et du coup j'ai même pas eu besoin d'avoir ce truc de... De la maltraitance. En fait c'est fonctionnel à partir du moment où tu te retrouves dans la maison familiale, que t'es enfant unique et que tu dois t'occuper de tout. Je pense que c'est un trauma de ouf en fait quoi, voilà. Mais non, sinon on consomme pas des champignons, en fait on révise mes partiels qui auront lieu dans une semaine. Oui. On profite justement du fait d'être dans un endroit où ben, on n'est pas chez nous pour se poser et travailler, voilà. C'est vrai. Ah Mika, oui, on s'est permis de boire une petite bière quand même, bon, c'est bon, ça va.
On n'était pas trop bourrés normalement. Qu'est-ce que tu en penses, Félix? Moi, ça me parle. Ça a un petit côté un peu... C'est quel studio qui produit ça? C'est Dark Sky, c'est un petit distributeur. Moi, ça m'a tout de suite fait penser un peu à l'esthétique des films A24. Quoi. Ouais, A24. Ouais. Ouais, oui, tout à fait. Complètement. Moi, ça me parle. Ça me parle, franchement. J'ai beaucoup de difficultés à trouver des films d'horreur qui me convainquent. Oui, oui, c'est pas évident. Un enfant d'Internet, malheureusement. Et j'ai tendance à trouver que l'horreur qui a le plus fonctionné, moi, je la trouve sur Internet. Mais ce genre de film, c'est le genre d'exception, un peu. Et waouh, ça a l'air cool. En vrai, ça a l'air vraiment cool. Ça m'a fait penser, en termes de dramaturgie, pas de narration, mais de dramaturgie, à Creep aussi. Ouais. Parce qu'on sait pas trop à quel personnage on a affaire. Ouais. Et là, c'est un peu pareil. Le personnage qui doit faire le deuil de sa mère, et bon, bah, faire le deuil d'un parent, quelle que soit la relation qu'on a eue avec, c'est une étape, c'est quelque chose de particulier. Et là, c'est sa compagne en plus. Ouais, ouais. Avec, ouais, bah, il y a un côté. C'était sa meilleure. Non, c'est pas sa meilleure. Non, c'est sa compagnie. Il y a un côté ultra Lars von Trier, hein, je trouve, sur l'esprit de genre. Hey, tu vas pas bien, vas-y, si je te traumatise, espèce de connard. Là, c'est, je trouve que c'est vraiment le délire Lars von Trier de ouf, quoi. En mode, bah, on m'aimait déjà pas beaucoup, bah, on va bien vraiment pas m'aimer, en fait. Tu vois, je sais pas si tu le ressens, mais dans Antichrist, il y a ça vraiment, quoi, tu vois. Oui, il y a le côté tout. Enfin, on empile. Mais c'est ça, quoi. Il y a le côté accumulation chez Lars von Trier. Mais là, on parle quand même d'un personnage qui est traumatisé. Alors ça se voit pas forcément en l'image, c'est très très interne quand on est traumatisé finalement. Beaucoup de gens le sont d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas quelque chose qu'on porte forcément sur son visage ou dans son attitude. Mmh. C'est quelque chose qui est très très intériorisé. Mais là, ce personnage qui est dans un deuil, qui doit faire le deuil de quelque chose, qui se retrouve dans une situation où sa compagne trahit sa confiance, volontairement ou non. C'est très très beau, hein, comme, finalement, comme concept. Donc je sais pas ce que vaudra le film, mais la proposition en termes d'enjeu, elle est violente, quoi. Puis c'est pas un film de fantôme, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, on pourrait avoir un mini-trope. Tu vois, là, vraiment ce plan, hein, c'est celui dont je parle. Voilà. Ce qui n'amarine que en 50 fois mieux, quoi, tu vois. Mais vraiment ce truc de... Tu te dis, il vient de jeter les cendres dans le lac qui est au bout de la maison. Il a passé vachement de temps. Il se passe des trucs, il y a des silhouettes la nuit et tout. Tu pourrais te dire, ouais, il va y avoir le trope du fantôme parce que le mec il vit toujours avec le spectre de sa mère qui finalement, même si elle s'est fait burn, tu vois, elle est genre dans l'étang derrière. En plus, il y a la meuf qui va se baigner dedans et tout. Bon, bref. Et en fait, non, j'ai l'impression qu'ils y viennent jamais et que c'est cool parce que c'est surprenant. Parce qu'en fait, en vrai, le scénar de base, c'est un film de fantôme. Mmh. Il a juste skip, enfin, elle, la réalisatrice, pardon. Non, c'est un monsieur. C'est un mec, ok. Qui s'appelle Laurent. Mais... Alors, étonnamment, je pensais que c'était un film féminin, tu vois. Parce que j'ai l'impression de retrouver aussi cette espèce de thématique sensibilité féminine. Soit. Ouais, il a skip complètement le truc du fantôme en disant je vais aller sur complètement autre chose. Mm-hmm. Et je vais juste faire un film énervé, quoi. Ça a l'air très énervé comme film. Hein. Mm-hmm. Je pense que tu passes pas un bon moment, en fait. En vrai. Mm-hmm. Ben, on va suivre un personnage qui est mal en point et qui. Ça a l'air d'être... C'est difficile de parler d'un film que personne n'a vu, mais en termes de synopsis, parce que le synopsis qu'on va trouver sur ce film, la plupart du temps, ça va tenir en une ligne. J'ai dû me renseigner un peu plus pour voir l'étonnant et aboutissant. Mm-hmm. Le personnage ne veut pas du tout être là, au départ. Ouais. Le personnage dit juste « Ma mère est morte, on va à la maison, on fait ce qu'on a à faire, on se casse dans la journée. » Ouais, ouais. Donc le fait qu'il y ait une persistance comme ça de l'expérience de confrontation avec ses traumas, c'est... Ça ajoute une strate. Puis ce qui est super marrant, c'est que tu vois la gueule de la maison. Mm-hmm. Et tu sais que déjà le projet de base, il est pas réalisable. T'as vu le bordel qu'il y a dans la baraque, c'est gigantesque. Mm-hmm. Tu l'habites déjà en une demi-journée, quoi. Enfin bon, bref. Après, c'est vrai que le mec, il a l'air vraiment mal en point. Ouais. Ouais. Bref, film suivant. Eh ben, si vous avez terminé, Félix, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste le fait que c'est. Ça a l'air très cool. Ouais. Moi, je rajouterais juste à toutes les personnes qui utilisent des recourbeciles dans le chat. Je ne sais pas comment vous utilisez chaque jour cet outil de torture. Ouais. Allez, ah, et d'ailleurs, on fait un petit coucou à Auras. Aura, pardon. Et j'avais oublié de dire coucou tout à l'heure au Skikonote. Voilà. Mais c'était il y a un petit moment. Et bah, il était tout mignon, Arnaud. Bah, oui, parce que il avait dit le Skikonote, trop bien featuring avec Feldup, j'irai découvrir ce que j'ai manqué en replay. Donc, voilà.
Et ben j'espère que tu ne te feras pas couper des morceaux de vidéo. Ouais. Allez, sur ce, on passe à la suite. I see his face everywhere. Mike almost took your eye, Kate. You need to go back to group, not into the woods, by yourself. I'm really ready. This is the best thing for me. See you in 3 months. Thank you, Earl. I know you pulled some strings. Yeah, well, we need the help. Fire take the rest of the road? Took a lot more than that. After the big burn in 1910, Uncle Sam said the states had to bear the cost of firefighting. All these towers went up as a result. You got no water, Wi-Fi, or plumbing. All right, that's your firefinder. Tells us where to go if you see smoke. You are officially an Idaho Lands Department volunteer. Routine is key. Your head needs that. 3 months is a long time. Who else knows I'm up here? Yeah, just the townies. Nice to meet you. Nice to meet you. Look at this penthouse view. Just came for the peace and quiet. Being all alone up here may be silent, won't be quiet. Smoke spotted, over. Negative, no smoke, no fire. It's right there, you're right on top of it. You still haven't found Mike. He'll come. 30 minutes late. You need to stay in that tower. Yeah, get back up in that tower. I can't fire you. I got no one else. They keep a rifle up there? She needs to come off that mountain. Watch Earl and anyone with him. Sick of being broken. It's time to plant my feet and land a punch. You can't contain that kind of fury once it starts. No, you can't. They're coming for your tower. Kate! Answer me! You don't leave the tower. Keep my mountain safe. My mountain now too. Merci Julien d'avoir cité Firewatch. Putain, c'est incroyable que ce soit toi, le mec qui probablement dans ces 14 personnes fait le moins de jeux vidéo au monde. Ce soit toi qui le cite, mais je trouve ça génial en même temps. Voilà. Alors. Raxa, effectivement, c'est un film qui met en scène Beth Dover, que vous avez pu voir dans Orange is the New Black. Ici, elle incarne Kate, une femme en proie aux troubles de stress post-traumatique, à nouveau, suite à une agression violente. Pour trouver du réconfort et chercher la tranquillité, elle choisit de s'immerger dans la beauté naturelle d'un grand parc sauvage et s'engage comme guetteuse d'incendie dans une station isolée au cœur des montagnes du nord de l'Idaho. Donc, région vraiment à mi-chemin entre le un peu balisé et le très sauvage. Quoi. Là-bas, il y a des principes de parc qui sont entretenus par des gens, mais qui peuvent quand même garder des aspects un petit peu dangereux. On en a un exemple dans ce film. Cependant, ce qui était censé être un refuge paisible est vite perturbé par des comportements suspects des habitants locaux et un danger inattendu qui s'y présente. Je n'en sais pas beaucoup plus sur l'histoire, je n'ai pas trop cherché à en savoir plus parce que j'ai l'impression que c'est un film qui se découvre en fait, hein, qui dévoile ses cartes au fur et à mesure. Je pense aussi que c'est pour ça que potentiellement le trailer est un peu confus. J'ai l'impression que c'est un film sur la paranoïa aussi quand même, ouais. Que c'est un thème qui est assez important. Mais le personnage il a l'air vachement bivalent. Ouais. Un coup, il a l'air hyper harcelé et du coup, t'es empathique, et d'un coup, ça a l'air d'être un creep absolu. C'est ça, on sait pas trop si on suit un personnage bienveillant, qui hallucine, qui veut prendre sa revanche. On sait pas trop, ça peut prendre plusieurs directions, ouais. Si c'est un revenge movie, si c'est un. Mais ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Pour poursuivre la petite histoire de casting. L'actrice principale est ici dirigée par son mari, le réalisateur qui s'appelle donc Joe Lotriglio. Les amateurs de Brooklyn Nine-Nine... Merci, je cherchais, c'est le mec qui joue... Le connaissent bien puisqu'il incarne nul autre que Boyle. Boyle, c'est ça, merci. Okay. C'est donc le mari de la comédienne principale qui réalise ici son premier film. Donc Boyle, hein, l'un des personnages principaux, si ce n'est le visage... De Brooklyn Nine-Nine. Non, c'est plus. Non, ça reste Adam Sandler. Oui, je plaisante. Ouais, évidemment.
Mais quand même, hein. Ouais. Non, mais quand même, il est... Voilà, son personnage est quand même... C'est le duo iconique, quoi. Ouais, tout à fait. Il s'était essayé à la réalisation sur Brooklyn Nine-Nine, hein, mais vraiment sur un épisode par-ci par-là. Ah ouais, je me dis pas sur les dernières saisons, parce que vraiment, la dernière saison, c'était un peu compliqué. Hein, donc... Non. Mais donc, Hot Pass sera son premier long métrage, et les amateurs de Firewatch, évidemment, pourront le remercier, puisqu'on a l'air d'être dans une ambiance extrêmement similaire. C'est un jeu qui divise, mais si comment vous avez apprécié, ce sera peut-être un prolongement d'expérience par le cinéma, parce qu'au cinéma, j'ai rarement vu, si ce n'est jamais. Ouais, le concept de la tour de garde, quoi. Ouais. Bah, on a The Lighthouse, on a ça, écoute, on essaie de faire des bâtiments en hauteur en ce moment. Des surveillances de bâtiments... Des traumas et des bâtiments en hauteur. Ouais, c'est voilà, ça. C'est la mode dans le cinéma indépendant. Complètement. Qu'en penses-tu, cher meuf ? Je vois qu'Ombriste a déjà vu le film. Ombriste, grand cinéphile et fidèle de la chaîne. Du coup, Romain, je te demande pas comment tu l'as vu, parce que ça, on s'en fout. Non, je crois qu'il parle du trailer. D'accord, ok. Parce que quand tu dis « j'ai pas accroché à cause de ça », je pensais que vraiment tu parlais du film. Que tu avais potentiellement vu, parce que peut-être que le film est disponible via des billets. Autre que officiel. Je suis pas sûr. Mais. Je sais pas, moi j'aime bien les moments où elle regarde dans le vide. Du coup, c'est le truc qui me fait douter. Mais bon, c'est le trailer quoi. Donc je sais pas. Elle a l'air de s'être appropriée. Le trailer, Ouais. C'est un trailer, il m'a l'air vraiment un peu cata. J'aime pas trop ce type de trailer avec les percussions. Ouais. Mais après, voilà, moi j'ai surtout l'impression que c'est quelqu'un qui prend en otage le Firewatch, du coup, là. Ouais. Et du coup, parce qu'elle dit c'est ma montagne maintenant. Après, ils disent ouais, vous veuillez descendre de là. Tu sais, elle est en position de domination conquérante, là, en silhouette sur les rochers. Il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression que c'est genre, maintenant je fais partie du paysage et j'habite là, quoi, tu vois. Alors effectivement, ouais. Il y a ce début hein, qui est très, elle s'est fait péter la gueule, quoi. Qui est très A24. Hein ? Qui est très A24. Non, mais elle s'est fait péter la gueule, quoi, surtout. Donc, voilà, rappelle que Firewatch, ça parlait d'un mec qui savait pas trop où il était dans sa vie, qui avait vécu un élément traumatique et qui décidait d'aller se mettre au vert et de prendre un boulot pour 2 mois de garde forestier, quoi. Donc on est vraiment dans le même délire, quoi. Mmh. J'ai l'impression qu'en fait, le seul truc qui change vraiment de Firewatch et qui rend le côté un peu creep, c'est que dans Firewatch, on joue un homme qui parle à la radio avec une femme, et du coup, on sait jamais s'il va y avoir une romance, s'il va y avoir une meilleure amitié, si la femme, elle existe vraiment, et ainsi de suite, ou si le mec est juste en train de se taper un délire parano parce qu'il est tout seul, et que vivre tout seul dans un endroit méconnu, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc on sait pas trop. Donc voilà, il manque la romance, mais c'est pas ça que j'allais dire à Aura. Justement, c'est que là, j'ai l'impression que le regard des hommes est toujours impitoyable par rapport à... En fait, ils ont mis un personnage féminin, et du coup, j'ai l'impression que dès qu'il y a un plan d'un mec qui la regarde, c'est forcément un truc qui est hyper malsain. J'ai l'impression qu'il y a un rapport sexiste hyper vénère, quoi, dans toutes les relations qu'elle a avec les hommes. Et je sais pas si c'est un message sous-jacent, quoi. Mais vraiment, déjà, elle n'arrive pas à compter le regard des hommes. Et en même temps, j'ai l'impression que dès que quelqu'un la regarde, il y a toujours un regard en coin, il y a toujours un truc un peu pervers. Moi, je pense que ça a moyen d'être un female rage movie. Ouais. Et du coup, ça peut être dans ce sens-là intéressant. Ça peut avoir un sous-texte intéressant. Mais il y a comment qu'il est ressenti en regardant les images, là. J'ai l'impression que tous les hommes sont vraiment en mode prédateur, en fait, quoi. Donc, ah non, c'est pour ça que je parle du film parano. Et il y a aussi... Ouais. Il y a aussi un côté de... Elle défie ce regard, c'est moi qui m'intéresse, ouais. J'aime bien. Ouais. Et ça dépend comment elle est dépeinte, en fait, dans le film, je sais pas. Et du coup, voilà, dans Firewatch, effectivement, il y avait la romance et la grande solitude du personnage. Et du coup, c'était extrêmement bien écrit dans un concept de relation sociale hétéronormée, hein, soit. Du coup, c'est des concepts avec lesquels on a au moins grandi... Donc, en général, ça fait quand même l'unanimité dans l'écriture. Autant là, effectivement, on n'a pas du tout la recherche de romance. J'ai l'impression qu'on a la fuite à raison du sexe opposé, qui n'a pas l'air très sympa, en fait. Et du coup, elle est surtout confrontée à des personnages masculins. Alors que dans Firewatch, en fait, on croise jamais personne. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est en fait en faisant ce twist de genre au niveau du personnage,
On a créé de l'horreur. C'est très étonnant, tu vois. Genre, comment on pourrait faire un jeu horrifique Firewatch? Bah, mets une femme à la place du mec, et puis tu verras, ça marche, quoi. Il y a un peu ça, quoi. Félix, tu veux élaborer un peu ou... J'ai pas tellement de choses à dire. Ça m'intéresse moins que le premier film. Ouais. Mais il y a des plans intrigants. En fait, c'est juste que... Je sais pas. En fait, le trailer ne fait pas... comment dire, il met pas vraiment en valeur. Ça, c'est dommage. Mais il y a plein de propositions que je trouve grave intéressantes. Mais il faut que ça se retranscrive dans le résultat final, quoi. Ouais. Parce que si le film a le même rythme, la même impression que le trailer, je pense que ça sera pas un truc que je vais apprécier. Mais moi, je vois des plans intéressants. J'ai vu le plan, tu sais, avec les insectes dans le sang, alors qu'elle regarde d'un air complètement terrifié. Je trouve ça. Il y a des idées, il y a des. Les insectes sont récurrents. Il y a le plan avec les mouches aussi. Hein. Ouais. Je Il y a plein d'idées que je trouve intéressantes. Il y a des trucs que je trouve beaucoup moins intéressants. Et le truc, c'est que je sais pas ce qui est magnifié ou non par le. Ça peut avoir un sous-texte intéressant. C'est juste, ça dit pas grand-chose, quoi. Comme dit, j'ai vraiment l'impression que c'est un trailer qui veut brouiller les pistes et ne pas tout dévoiler. Être un peu flou sur le genre, être un peu flou sur la narration, être un peu flou sur le rythme. J'ai l'impression que l'expérience du film est très différente de celle du trailer. Mais bon, à voir. Après, ça reste un premier film. Oui. Par un réalisateur qui met en scène son épouse. C'est... C'est une prise de risque. Hein. C'est... Ouais. C'est... Qu'est-ce qu'ils veulent raconter ensemble, en fait? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir faire ce film? C'est... Donc, à voir. Mais c'est vrai que... on sait pas trop s'il y a du fantastique. On sait pas trop... si on est vraiment... je sens vraiment la piste paranoïaque assez forte, mais je suis pas sûr. Mais après, entre-temps, on a vu et présenté Men, donc... Ouais. Donc... Alright. Voilà. Ok. Est-ce qu'on passe au dernier trailer, du coup? Oui. Pour moi, c'est oui. Bon. Ok. Allez, let's go. Plouf. Plouf. Powerful evil. We call him Dracula. The Demeter, on charter from Romania to London. Shipping private crates, contents unknown. Out at sea with no land in sight. This here is Clemens. He's a doctor. You dress like a learned man. University of Cambridge. I know my way around a boat. Our charter has agreed to pay a bonus for timely arrival in London. Let me show you the ship. This here is Huckleberry. We don't come with like this to give the yours clear. Demeter's a fine boat, no doubt. Something ripped apart the animals. All the livestock? This looks like a bite. Search the ship. Everywhere. Evil is on board. Powerful evil. Of that bloody thing. I'm gonna kill the cursed thing. He is on this ship.
place we will never leave it. The devil is real. May God have mercy on us all. Evil is on board. Ah, des vampires. Le monde est un DMC. Bonsoir. Zaftig. Ouais, The Last Voyage of the Demeter, c'est donc un film qui nous plonge dans l'histoire du Demeter. Navire marchand, qui est donc un bateau, qui donc circule sur les océans. Est-ce que c'est canon dans la mythologie de Doyle? Alors, c'est pas Doyle. Mais pardon, de Soccer, pardon. Je vais expliciter tout ça, puisque c'est ce qui fait l'intérêt du projet à mes yeux. Navire marchand chargé de transporter une cargaison privée de 50 caisses en bois, des Carpathes jusqu'à Londres. Des événements étranges s'abattent sur l'équipage qui tente de survivre à la traversée de l'océan, traqué chaque nuit par une présence impitoyable à bord du navire. Donc on est dans une vogue du retour du voyage du film pardon, de vampire traditionnel, selon Bram Stoker. C'est bon ça. On l'a vu récemment de façon comique dans le Renfield avec Nicolas Cage. Mmh. Nous le verrons bientôt avec le prochain Roger Egger, qui proposera sa version de Nosferatu. Roger Egger est réalisateur de The Witch, Lighthouse et Northman, qui s'en sort plutôt bien pour l'instant et qui donc propose un Nosferatu pour son prochain film. Et là, avec ce film-là, qui traîne depuis longtemps, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais je n'en parle que maintenant parce qu'on arrive enfin sur un trailer abouti et une date de sortie pour l'été. J'avais un peu peur, en fait, je rechignais à en parler parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une production très très compliquée, ce qui est rarement bon signe. Une fois encore, c'est DreamWorks Universal, c'est pas trop le genre de film que t'as présenté. Ouais, oui, on est sur du DreamWorks, hein, effectivement, donc. Qui ont sorti de bons films, hein, on va pas se mentir, mais. Ah ouais, ils ont fait Shrek, hein. Ouais, par exemple. Et surtout, ils ont fait Shrek 2. Ah. Mais par contre, ils ont fait Shrek 3 et 4. Donc... Oh non, le 4 est très bien. Il est très bien, le 4. Le 4 est bien quand on a vu le 3 et qu'on ils se ont dit... fait Le Prince d'Égypte. Calmez-vous là. Le 4 le 4 est mieux que le 3. On va s'en tenir mais là. Mais de loin, mais je trouve littéralement le. Écoutez, le 4, je m'en vais ouvrir au chat qui est coincé dehors et puis on va enchaîner. Et donc, nous avons avec ce film-là un film qui n'adapte non pas le roman Dracula de Bram Stoker, mais simplement un chapitre du roman de Bram Stoker. Et donc, c'est canon, frère. Et non des moindres. Donc, c'est absolument. Alors, c'est canon dans le fait que. Que Dracula voyage dans ce putain de bateau. Effectivement, si vous avez vu le Nosferatu de Murnau d'il y a 100 ans, hein, c'est 1922, je crois. Ah putain, ça fait mal, hein, ça y est. Ça y est. Ouais. Les plans les plus marquants du film se passaient à bord du Demeter déjà, hein, mais c'est effectivement, à titre personnel, j'aime beaucoup l'idée de bâtir un film autour non pas d'un roman, mais d'un seul chapitre de roman, de l'isoler, et de bâtir quelque chose autour. J'ai pas vraiment d'exemple de ça qui me viennent pour l'instant, je sais pas trop si c'est une pratique très très répandue, mais j'aime beaucoup l'idée. Alors si, de façon débile, je pourrais citer... Alors attention, parce que ça va être très salé, ce que je vais dire. Et presque hors sujet. Tu peux très bien choisir de prendre des chapitres d'un bouquin, les adapter, et de te dire, je vais adapter que ça, et de changer complètement la fin. Et tu as Miss Peregrine de Tim Burton. Alors certes, mais là, on est dans une démarche qui est peut-être un peu plus malhonnête que ce qui est proposé... J'entends bien. Que ce qui est proposé ici. Donc, film adapté du journal de bord du capitaine du Demeter qui transporte Dracula vers l'Angleterre. Et donc là, avec un focus sur le huis clos, effectivement, maritime. Hein, c'est, à titre personnel, je suis très très fan de huis clos, de dispositifs minimalistes, hein, d'unités, de lieux, de peu de personnages. Ça me parle beaucoup aussi. Sans pour autant que ce soit du théâtre, hein. On n'est pas obligé de faire du théâtre dans ces contraintes-là, on peut vraiment faire des propositions cinématographiques. Effectivement, on a de temps en temps des films qui se passent sur des bateaux en huis clos, mais on n'en a pas des masses. Mais les bateaux, c'est vraiment cool, hein. Là, tu vois, il y a quelqu'un, c'était Ombrix, je crois,
qui citait O'Bradin en disant c'est vraiment ça qui s'est passé sur le O'Bradin, tu vois. Mm. Alors ceux qui n'ont jamais fait The Return of O'Bradin, le jeu vidéo, oui. Genre là, dès qu'on finit l'émission, vous allez l'acheter, vous le faites en fait. Je rappelle, c'est le monsieur qui avait fait Paper Please, hein, qui l'a fait, et depuis, on sait pas ce qu'il a fait. Mais, putain, c'est tellement bien, c'est une enquête sur un bateau, quoi. C'est une enquête sur un bateau avec des mécaniques assez ouf. C'est un jeu qui prend pas du tout par la main. Ouais, ouais. Et c'est un jeu qui ose plein de choses, et c'est assez incroyable. Mais ouais, les bateaux, quoi, putain, vraiment cool. Petite parenthèse, si j'y pense maintenant, pour les cinéphiles classiques parmi vous, je crois que le film s'appelle Lifeboat, c'est un film d'Hitchcock. Si je dis pas de bêtises, c'est un film de 44. Ouais. Ou 47, je sais plus. Mais c'est un film d'Hitchcock qui est pas très connu, et c'est un huis clos sur des gens qui sont sur une espèce de barque, de bateau, voilà, hein, qui est leur bateau s'est échoué, ils sont sur un canot, voilà, pour tenter de survivre et de rejoindre la civilisation, et ils vont un peu mal s'entendre entre eux. On est vraiment sur du huis clos un peu radical. Je vous le recommande, c'est pas le Hitchcock le plus connu, loin de là. Bref. Arnoff a évoqué le casting pendant qu'on regardait le trailer. Ouais, parce que je kiffe le mec de Game of Thrones. On va en dire deux mots, donc nous retrouvons David Dast Malchian, c'est assez dur à dire, vu chez Villeneuve dans Blade Runner et dans Dune, et dans la franchise Ant-Man, dans Twin Peaks 2017 également, ici il joue le rôle du premier officier du Demeter. On retrouve Eileen Franciosi qui jouait Lyanna Stark, la mère de Jon Snow dans Game of Thrones, qui joue une passagère clandestine malgré elle dans ce film. Et on retrouve Liam Cunningham, autre figure de Game of Thrones, qui incarnera ici le capitaine du navire. Le film sera donc une production DreamWorks, qui ont fait Shrek 2, mais aussi Shrek 3. Et le Prince d'Égypte. Et le Prince d'Égypte. Ne pas oublier le Prince d'Égypte. C'est pas le Prince d'Égypte. Ouais. Et le film, quand même, soulignons-le, est réalisé par le Norvégien André Øvredal, qui est le réalisateur de Trollhunter. Ah! Donc, petit classique du found footage. Ouais, mais toujours des projets extrêmement ambitieux, du coup, hein. Ça dépend. Par contre, maintenant que j'y repense, il avait aussi réalisé l'autopsie de John Doe avec Emil Hirsch et Brian Cox, ouais. Qui était un huis clos qui passait dans une morgue. Ça, c'est un prénom incroyable, Brian Cox. Ça, c'est... On ne se moque pas. Ça, et qui était un huis clos dans une morgue. D'accord. Donc, réalisateur qui a l'air aussi adepte de ce format-là. Ouais, bah c'est bien huis clos. Donc, c'est certes DreamWorks qui a réalisé Shrek 3, donc on sait pas trop, mais là, en l'occurrence, j'étais pas du tout... Ça fait des mois que je vois ce truc tourner et que je voulais pas trop en parler. Mais en voyant le réalisateur, le casting, et sur cette proposition d'adapter un chapitre de roman comme ça, isolément, je me dis que c'est intéressant et que ça vaudra peut-être le coup, finalement. Après des mois d'hésitation, hein, vraiment, j'insiste, quand j'avais vu les premiers trucs, j'étais pas du tout convaincu. Ok. Voilà, un meuf. Eh ben écoutez, moi, j'aime bien en général les films des producteurs de Shrek 2. Du coup, je les regarde pas mal. J'avoue que je. Voilà, DreamWorks, c'est une boîte qui me parle. Même si je n'ai jamais vu Prince d'Égypte. Et que ta team en a fait un retour très particulier la dernière fois qu'elle l'a vu, vu que ça termine quand même sur un génocide, hein, c'est incroyable. Bon, on va pas parler de ça maintenant. Mais voilà. Si je peux ajouter de l'eau à ton moulin, Brice vient de rappeler que c'est aussi Gang de requins. Ah! C'est un chef-d'œuvre. C'est eux ou pas, Out of Line of Dragon? C'est DreamWorks aussi? Oh. Ah oui, je crois. Alors ça, c'est une tuerie. Ouais, c'est eux aussi. Il me semble que c'est DreamWorks aussi, Out of Line of Dragon. Alors ça, c'est une tuerie de ouf. Salut Zef. Salut Zef. Mais du coup... Oh, mais salut Zef, incroyable. Mais quel bonheur. Mais comment ça va, vieille branche. Calme-toi. Pardon. Du coup, en fait, le postulat m'intéresse. Le film, j'en ai un peu rien à foutre. Mais, les images que tu m'as montrées, je les trouve chouettes. Et étonnamment, parce que c'est pas trop un truc d'habitude,
Même les acteurs que je connais pas, je les trouve, ils ont l'air cool. En fait, j'ai vachement envie de voir le film au casting. Ouais, ouais. Ça me parle. Il a l'air assez bien bossé. Ils ont des gueules, les personnages, ouais. Ils sont pas lisses, ils ont l'air très cool. Et après, oui, pourquoi pas ce chapitre-là de Bram Stoker Dracula. Pourquoi pas. Je t'avoue que c'était pas mon attente de réviser un chapitre de Dracula. C'est très revu et corrigé, je sais pas, mais c'est très augmenté. Hein. Ouais. Mais pourquoi pas, bon, bah, le délire du bateau, ça me plaît aussi. Je sais pas si vous connaissez un petit film avec un bateau d'ailleurs. C'est une histoire d'amour en fait entre une première classe et une troisième classe. Au bout d'un moment, à la moitié du film, il y a un truc qui se barre en couille, mais je vous dis pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un chien qui fait du rap à un moment? Non, mais par contre, c'est réalisé par le réalisateur d'Avatar, je sais pas si tu connais. Shyamalan. Ah, le film où ils baisent avec leurs cheveux? Ouais, et au bout d'un moment, il lui demande de peindre une française. Je sais pas si tu te souviens de ce passage. Attends, mais, c'est banger, ça. Du coup, non, c'est un petit oui. Voilà. C'est pas genre, si quelqu'un me dit viens, on va voir ça au cinéma, je vais lui dire frérot, tu me payes ma place, quoi. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui me dit vas-y, je l'ai chopé, on regarde ça dans la soirée en mangeant des pizzas, là je suis chaud, quoi. Voilà. Avec Zef. Bah, je te paye la place, mais si ça te plaît, tu payes la pizza. Bah, je suis pas chaud. Je préfère regarder le premier film. Là, je veux aller voir au cinéma, par contre. Tachi, soit ça te parle, c'est du DreamWorks, c'est quand même les gens qui ont réalisé Shrek 4 aussi. Ouais, bah écoute, franchement, tous les jours. Ok. Par contre, j'aime bien le fait que la figure du vampire soit pas un beau gosse qui brille. Soit plus un truc un peu à l'ancienne, quoi. Bah, parce qu'on revient aux sources, en fait. Donc, ouais, à un moment, on va se calmer, quoi. Ouais. Mais voilà, la dernière fois que j'ai vu un film de vampire, il y avait des mecs qui brillent dedans. Et c'était il y a quelques années. Ah, mais là, pour le coup, c'était mieux avant. Voilà. Félix, qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi. C'est vraiment pas mon truc. ça me parle très peu. Ok. Je sais pas pourquoi, parce que objectivement c'est bien fait, c'est soigné, mais c'est un truc qui me... Bah, c'est pas tes codes, en fait, j'ai l'impression. Oui. Ah, c'est tellement éloigné. Ça ne s'adresse pas, ouais, à moi. Ouais. Tu vois, ça ne s'adresse vraiment pas à moi. C'est sûr que de analogue horror tout horror gothique, je crois qu'il y a un peu quand même un écart. Ouais, mais même il y a de l'horreur gothique que j'aime bien, tu vois. Mais là, je sais pas, ça me parle pas. Ça me parle vraiment peu, tu vois. C'est au point où c'est pas vraiment de l'indifférence, c'est carrément un truc qui me déplaît, tu vois. Ok. Oh. Ok. Intéressant. Et ouais, je vais jusque là. Non, mais justement. Non, mais franchement, profite de ce petit espace zen pour exprimer tes vraies critiques véritables, parce que dès ton prochain stream, tu pourras plus le faire. Mais justement, c'est intéressant que tu dises oui, je vais jusque là, parce que c'est ce que disait Zafig, en fait. Oui, c'est intéressant. Le fait que toi, avec ton vécu. Ton esthétique, le fait que t'as un rapport quand même très prioritaire à Internet et que tu sois quand même pas le plus grand cinéphile que cette planète ait jamais porté et que tu sélectionnes quand même assez précieusement les films que tu vas voir, que toi cette esthétique là qui est quand même extrêmement cinématographique et pas du tout Internet te déplaise, je trouve que c'est hyper intéressant, vraiment, quoi. Bah, en fait, il y a des trucs cinématographiques qui me parlent, tu vois. Mais là, je ne sais pas ce qui me déplaît. Je ne sais pas si c'est les plans du bateau en CGI qui ne me parlent pas trop. Je sais pas, je sais pas, ça ne me parle vraiment pas. Ouais. Alors que c'est beau. Objectivement, c'est beau. Et c'est super bien foutu. Mais le design de la créature me parle 0%. Même si je sais que c'est le design très classique de Dracula. Je sais pas. Ça me parle pas. Ça me parle pas et alors que ça pourrait, tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un qui est peu film. C'est vrai. Le film là que j'ai envie d'aller voir, il y a deux films que j'ai envie d'aller voir là ces derniers temps. C'est Beau is Afraid et le film Mario. donc deux films psychologiques. Le deuxième, c'est lequel? Quoi? Le deuxième, c'est quoi?
le film Mario. De films d'horreur psychologique, du coup. Voilà, c'est là vraiment ça ne me parle vraiment pas. Et ça. Genre, ça me déplaît. Tu vois, je n'aime pas ça. C'est marrant, c'est parce fou. Que j'ai presque envie de te couper pour te dire. Et ça va sonner comme péjoratif, mais ça l'est pas, vraiment. Ouais. Ça fait pas assez bricolé. Exactement. Non, mais c'est pas péjoratif du tout. Moi, bricoler, pour moi, c'est un terme. Ça, voilà, c'est. Je sens pas d'auteur quand je vois ça. Ouais. Et moi, j'aime bien. J'ai l'impression que quelqu'un veut me raconter quelque chose et pas qu'il y a plusieurs personnes qui veulent raconter plusieurs choses pour des raisons très différentes. J'aime bien la vision d'auteur, moi, en général, dans les choses. Ouais. J'aime bien quand c'est bricolé, même quand c'est un groupe d'auteurs aussi, ça peut être très intéressant. Mais là, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression qu'en partie, c'est une entreprise. Bah, c'est DreamWorks, quoi. Donc, c'est très lisse. C'est... Ouais. Ça pourrait être un produit Disney, quoi, tu vois. Vraiment. Exactement. J'ai l'impression que c'est une entreprise qui me vend un truc, là. Ouais. Non, bah, si c'était un produit Disney, il y aurait Johnny Depp à l'affiche et ce serait le 7e film de la franchise. Oui, mais bon... C'est un. Ce serait Jack Sparrow contre les vampires, tu vois. C'est, un... ouais. C'est effectivement un film avec un budget qui donc doit être rentable, etc. etc. Hein. Faut... Ombrey, faut pas parler de mal de Madagascar en présence d'Armoff. Ombrey, c'est la prochaine fois qu'on se voit, je te balaye hein, si tu continues. Parce que Madagascar, c'est vraiment ma trilogie du cœur, tu vois. Donc, Ah, mais Madagascar, c'est phénoménal. Hein. Ça, pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma indépendant. Hein. Je crois que c'est ceux qui ont fait Shrek aussi. Hein. Ah non, je crois que c'est. Si, c'est DreamWorks. Si, c'est DreamWorks. Ouais, c'est DreamWorks. Ah non, mais c'est. Moi, j'ai une fascination pour les films très mauvais. Mm-hmm. Ou alors les films juste un peu mauvais. Mais moi, tu vois, pour genre le Lorax. Moi, j'aime vraiment Madagascar pour le coup. Le 2, vraiment, j'ai adoré. Pour de vrai. Le 2, il est bien, je crois. Attends, je vais regarder lequel c'est le 2. C'est, sûr, c'est celui où il y a Moto. Non, c'est le 3, celui-là. Ah, c'est le 3, celui à Fireworks de ouais. Katy Perry, qui est trop bien aussi. Ouais. Ouais, c'est celui avec le cirque, non, le 3, je crois. Le 2, c'est quand le lion retrouve son rap. Ouais, il y a Moto dedans. Hein? Ah, putain, vous l'avez pas? Non. C'est vrai que... Bon, bref. Les petits loups. Non, mais tout ça pour dire que... excuse-moi, Tachi. Non, je t'en prie. Tout ça pour dire que... ouais, toi tu trouves que c'est un produit. Putain, je vais dire le mot comme on disait dans les années 90, Zafty. C'est trop commercial quoi. Alors, j'irai pas jusque-là parce qu'en vrai, objectivement, être un truc commercial c'est pas forcément un problème et je serais très. En tant que fan de Taylor Swift, je serais un peu. Genre. hypocrite, tu vois. Mais. Merci Ombrist. Merci pour le soutien. C'est pas forcément commercial, mais c'est que c'est impersonnel, je trouve. Mm-hmm. Ouais. Alors qu'objectivement, il y a des partis pris. Il y a des partis pris qui peuvent être personnels, mais moi, ça me paraît impersonnel. C'est l'image que ça me renvoie. D'accord. Et non, mais je comprends complètement. Tu vois. Mm-hmm. Alors que Outpost, même si j'avais des choses à redire, ça m'intrigue. Et ça me. J'ai l'impression d'avoir une vision qui peut être intéressante. Ouais. Et qui me parle. Alright. Écoutez les zouzous, je pense que toutes ces considérations sont très bien pour conclure. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, bonne petite remarque de Zef aussi. Hein. Ouais, Zef qui dit que depuis The Light House, on a du mal à filmer la mer. Comme il faut. Quoi. Je pense pas forcément qu'il y ait un paramètre Lighthouse qui entre en jeu. Mais je sais pas, moi je. Entre. C'est commercial et en même temps c'est pas une proposition qu'on a très souvent. Donc c'est un peu entre les deux, j'ai l'impression. C'est un peu. Pourquoi pas? Pour être honnête, les propositions horrifiques sont très très peu variées. On a la comédie horrifique, on a le côté psychologique, ou alors on a vraiment le film d'horreur extrêmement. Décérébré, on va dire. Et là, je l'ai choisi parce qu'on a une proposition qui part un petit peu sur autre chose. Très classique, hein, je pense que c'est plus un film d'aventure qu'un film d'horreur, concrètement. Je pense que c'est... Oui, oui. Ça, oui. Parce qu'on est sur de l'horreur très, très, très classique, en fait. C'est un film de monstre. Mais c'est pour ça que je disais que ça pourrait être un Disney, en fait. C'est très 19e siècle. Ouais.
c'est très 19e siècle, et je me disais que c'est pour ça que Félix adhère pas, c'est que c'est ce qui faisait peur quand on lisait des journaux, des quotidiens au 19e siècle, en feuilleton, quoi. Mmh. On est passé à des formats tellement différents et qui ont évolué depuis que, effectivement, si je veux me faire peur, je me mets même pas un film tout court, en fait. Le cinéma me fait à peu près jamais peur. Je me mettre un truc d'analogue horror avec des sons chelous et... Je crois que ça te parlait pas, quoi. Ben si, 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 il y a... Il y en a qui fonctionnent très très bien, et je m'en suis infligé la nuit avant de dormir, qui m'ont mis dans un mood extrêmement anxiogène. Le jeu vidéo, ça marche pas, et le jeu vidéo d'horreur, j'y joue assez peu, parce que c'est vrai que je suis facilement en malaise, quoi. Alors que je vais plutôt chercher le divertissement dans le jeu, pas la pression, pas... Ouais, là c'est peut-être un film d'aventure, c'est plus qu'un film d'horreur, effectivement. C'est choral, il y a plein de personnages, je pense que Félix, ce qui lui plairait, ce serait un mec sur un bateau tout seul, et on sait pas ce qu'il fait là, et... Alors peut-être pas forcément tout seul, mais ouais, je vote. C'est très caricatural, mais c'est très vrai, ce que tu dis. Moi je pense que le film de vampire qui plairait à Félix, c'est celui de... C'est Twilight déjà, j'adore ce film. Lequel ? Twilight. Tous les Twilight me fascinent. Ok. Oui, bah c'est le titre du film, Fascination, c'est très juste. Allez. Non, le film de... Putain, comment il s'appelle, le réalisateur new-yorkais qui est gros, qui est schlag de ouf. Celui qui a fait Driller Killer et Nos Funérailles. Ah, Belfera. Ouais. Son film de vampire, là, est extraordinaire, en noir et blanc, à New York. Ah oui, son film de 95, dont le titre m'échappe. oui, je vois. Ouais. Parce qu'il y a un sous-message qui plairait, je pense, à Félix. Voilà. Oh. Il y a une double lecture. Hein. C'est une revisite du mythe du vampire à travers autre chose. Alors que... merde... Ah non, attends. Si. Il n'y avait pas un film qui était sorti qui était adapté en série sur différents types de vampires qui sont obligés de cohabiter ensemble. Ça, c'était trop bien. Le fun footage. Oui, What We Do in the Shadows. Ouais, très très et bien. Et du coup, il y a une série qui est sortie. Oui. Et du coup, il y a une saison 2 qui a été annoncée. Ouais. Ah, ça marche très bien. Voilà. C'était pas une vraie news, mais il y a la news quand même. C'est deux et avec... comment il s'appelle ? Takeaway Kiki, ça ? Oui, et ouais. Jamin Clement, The Flight of the Conchords. Voilà, mais si vous voulez voir un très bon film de vampire, vous regardez Morse. Voilà. Et puis c'est tout. Ou Twilight. Ça, un putain de film d'auteur, incroyable. On n'a pas entendu Félix. Ou Twilight, je disais pour les films de vampires proposés. On a dit qu'on parlait pas de vampires qui brillent. Moi, je suis un énorme fan de Twilight. Bon, est-ce qu'on pourrait en profiter du coup pour remercier Félix d'avoir... Non, mais attends, t'avais une anecdote d'abord. Bah, je pensais la placer vraiment à toute fin. Ok, donc on remercie avec, Félix. Avec genre changement de micro et tout. Ouais. Hein. On remercie Félix aka Feldup. Aka Feldup. Feldup. Ouais. que vous pouvez retrouver donc du coup dans plein de vidéos. Alors vous pouvez le retrouver actuellement allongé sur le canapé de Dr. Feelgood. Vous pouvez le croiser dans l'avant-avant-dernier épisode d'Edward. Edward. Ouais, je sais plus. Edward, c'est dans Twilight. Je sais plus du tout ce que t'as fait comme caméo. mais voilà. Vous pouvez le retrouver. J'allais au pèlerinage de JDG. Vous pouvez le retrouver dans tous les streams de Rebeu des Terres. oui, vous pouvez le retrouver chez. Effectivement, avec le JDG. Le jour où je te vois dans Dad, ma tête explose. Ouais. Dad ouais. Ah, l'ARG, ok. Oui, qui lui-même s'invite chez tous les autres youtubeurs. J'adore. Faut absolument... Je vais essayer de faire ça un truc. Ouais, ça me paraît bien. Je fais un petit... Écoutez, merci les gars, je pense que c'est... Je suis allé ici surtout parce que ça peut être un tremplin pour ma carrière, je pense. Mais oui. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Non, vraiment. C'est trop cool. N'hésite pas à partager ta chaîne dans le chat, hein. Si certains sont intéressés et qui veulent la suivre, ça te fera peut-être quelques abonnés en plus. Ouais. Pas de problème. Attends. Voilà. allez, du coup, je vais arrêter de teaser. Je coupe la musique. Je fais un petit changement de micro. Hop. Normalement, on devrait m'entendre un petit peu mieux. Du coup, en fait, ce qui se passe, et je vous jure que c'est pas une blague, c'est que depuis avant de rencontrer Armof, moi je suis à la recherche dans Lost Media et je ne l'ai jamais trouvé. Waouh ! Ouais. Et du coup, il y a des gens qui m'ont suggéré plein de fois ce que ça pouvait être. Et force est de constater que c'était pas ça. Et donc, si jamais
ça percutait quelqu'un. Et Zaftig sait de quoi je parle, parce que je crois que je t'ai déjà demandé en plus si tu connaissais ce truc. Je cherche une série de peut-être 4 ou 5 épisodes max qui était passée sur M6 au début des années 2000. C'est bon, il a fait oui de la tête, donc il sait que j'en ai déjà parlé. Ouais. Et en fait, dans l'un des premiers épisodes, si je ne dis pas de bêtises, il y a une jeune femme qui est affamée et qui a envie de manger des pommes. Sauf qu'en fait, c'est des pommes qui sont vivantes, et si tu manges les pommes, tu te fais manger de l'intérieur. C'est un vrai bail. Et du coup, il y a des enfants qui mangent les pommes et qui se font bouffer de l'intérieur. C'est une série genre du samedi soir de... C'était juste sur une période donnée, il y avait eu quelques épisodes, c'était une série très très courte. Mais avec, diffusée vers quelle heure? Le soir. Okay. Enfin, l'après-midi et le soir, il y avait un peu des deux, si je dis pas de bêtises. Mais je me rappelle que je regardais le début avec mon père et que la suite c'était enregistré sur des cassettes pour que je puisse regarder parce que c'était trop tard. Donc je pouvais pas tout voir. Mais t'étais enfant ? Et j'étais plus jeune. Parce que là, ce que tu décris, ouais, c'est pas du tout pour les enfants. Mais c'était une série un peu fantastique. C'est pas du tout du chair de poule, c'est pas du tout du fais-moi peur. En vrai, Tachi. Ouais. Fais. Fais un tweet et je le RT, et je pense que ma communauté arrivera à voir, non ? Si tu veux, mais mec, je te jure, ça fait genre 10 ans que je cherche ce truc et que je l'ai jamais retrouvé. Alors qu'il s'agissait du pilote de Cole Bioko. Et non, pas du tout. Et c'était en effet le pilote de Samantha Oops. Mais non, j'ai jamais réussi à trouver ce que c'était. Il y a plein de gens qui m'ont fait des suggestions. Et en fait, j'ai dit, ah oui, c'est peut-être ça. Et en fait, quand tu tapes un petit peu ce que je te décris, tu vois des séries M6, et en fait, c'est pas du tout ça. Mais il y a pareil, dans un épisode, il y a un mec qui a un frigo, genre frigo d'abondance. En fait, à chaque fois qu'il ouvre la porte du frigo, et ben, il se remplit de trucs, je crois que c'est des bières en plus. Enfin voilà, vraiment, j'ai plein de petits détails en tête sur cette série-là. C'est passé une seule fois. Et je crois que ça a dû complètement vanish dans les archives de M6 parce que ça n'avait pas marché. Et parce que c'était surtout très inapproprié pour le public. Aussi. Chambé. Donc voilà, si jamais... ouais, bah de toute façon, je peux faire un tweet et puis tu le RT-ras si tu veux. Mais voilà, du coup, et ben, si sur le frigo, elle m'intéresse tout à fait. Mais voilà, du coup, à force de parler de Lost Media, et ben, je pense souvent à cette série-là. Et je pense aussi au moment où ben, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Et bah c'était ça l'anecdote, j'espère que tout le monde est très content. Dans The Lost Room, je lui ai fait découvrir Tachi, et du coup on l'a hyper bien en tête, y a pas de problème. Ah non, c'était très très bien. Alors, moi je peux raconter aussi une petite anecdote. Allez, vas-y. D'abord je vais commencer par un fait. Sachez que cette émission risque probablement de se retrouver un jour dans un iceberg de Feldup, très profondément. Alors, ça, c'est pas grave parce qu'on a dans le chat quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'iceberg d'Antoine Daniel très profondément aussi. Oui, sachez que... Ah, oui, Julien Barbotin. Sachez que Julien Barbotin n'est pas réel. C'est une invention d'Antoine Daniel. Mais vas-y, bref. On t'écoute. Et une anecdote. Non. Pardon, excusez-moi, j'ai dit des mots qu'il fallait peut-être pas dire. Pardon. C'est que j'ai... Non, en vrai, c'est un peu beauf ce que je vais dire. Bah, allez, vas-y. On est là pour ça. Allez, c'est pas grave. Bon. J'ai mangé un burrito avant de faire le live et pendant tout le long, j'ai lâché des énormes caisses qui ne se sont jamais entendues. Wow. Mais c'était très difficile de les cacher. Normalement, il fallait faire des dons. On avait... Ah, c'était pour l'héro. C'était pour l'héro qu'on avait dit, c'était pas pour les proutes. Ouais. Mais je pense qu'entre Romeuf et toi, une histoire de proutes, c'est quand même quelque chose d'assez... Ah, mais oui, mais sache que c'est... C'est lui qui m'a... C'est vrai que tu m'avais fait un défi qui m'a suivi jusqu'à mes 100 000 abonnés. Mais je t'ai propulsé, mec. Mais c'était sans toi, je ne serais plus là. Voilà, quel bonheur. Écoute, voilà. Ouais. La vie est un parcours et fait d'expérience. Voilà. Et ben, je pense qu'on peut dire que c'est une très belle expérience ce soir. Bien. Tu vois, Félix, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? J'ai pas entendu. J'ai dit, tu vois, Félix, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Oui. Bon, mais en tout cas, sache que si un jour t'as envie de reparticiper aux gens en coton, tu es le bienvenu. On fait toujours ça un lundi sur deux. Merci à la petite quinzaine de personnes qui ont été là avec nous ce soir. Merci pour vos messages, pour vos petits blabla et pour les échanges qu'on a eus. Merci de nouveau Félix, pardon. Merci Jérémy. Feldix. Merci Jérémy, merci Armof. Et puis eh ben, on va peut-être se laisser là. Est-ce qu'on se raid un petit quelqu'un? Parce que je crois que Zeni, du coup, qui a lancé quand même un stream, est sur la fin. Donc je vais Du coup, c'est un social traître, du coup.
Je crois que vous pouvez faire un raid sur quelqu'un de pas très connu qui s'appelle Gotaga. Il y a quelques abonnés. Oui, bah, le lundi soir, en général, on a que l'embarras du choix entre Antoine, MV et compagnie. Ouais, joueur c'est du grenier, tout ça. Ouais. Non, bah écoute, je vais peut-être raid Zeni qui. Chacun, ouais, sinon. Je sais pas, parce que voilà. Mais non, je vais pas vous raid chez Flèche parce qu'il joue à Zelda 2 et que j'ai pas envie que ça spoil. Je vais pas vous raid chez E.T. parce que bah il a assez de monde et puis Zeni, bah ils sont. Bon, on va l'envoyer chez Zeni Bouka à une condition. Je veux que dans le chat, Feldup Stream dise salut Zeni Bouka et arrête de parler juste après ça. Comme okay, ça, il sera problème. Tellement semard. Oh non, mais je veux pas être un connard. Non, mais tu seras pas un connard, c'est juste qu'il avait dit qu'il viendrait à la base sur le stream, donc tant pis pour lui. Hein. Écoute, ok, ok, mais vous lui expliquerez quand même la blague oui. Après. T'inquiète. T'inquiète pas. En tout cas, faites-lui des bisous de notre part, nous je pense qu'on va continuer à tchatcher un petit peu. Des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi le stream et à tout bientôt. Salut. La bise.